Salut tout le monde, bienvenue pour ce live sur Victoria 3. Enfin, il est là, le jeu tant attendu, la nouvelle sortie, la grosse sortie de Paradox Interactive pour 2022. C'est lui, c'est Victoria 3. Alors bienvenue tout le monde, bienvenue Tristan, bienvenue Volk, Regina, Lela, Ayoub, Kazumi, est-ce qu'on m'entend bien, Yegboni, Eric, Emilio, Alexandre, Michael Franquinet, on a Dick Rato qui est là, Stemris, Julien Philippe, Oumar, on a Aknor, salut Starky, Quentin Snake, Triliax, bienvenue à tous. On va jouer à ce jeu qui est un jeu de grande stratégie et de gestion également, parce que c'est vraiment un jeu de grande stratégie orienté plutôt gestion, gestion des ressources, gestion des productions, gestion des populations, de notre trésorerie évidemment, de la diplomatie, et puis il y a quand même un côté évidemment guerrier, mais qui est un petit peu secondaire, qui est présent. Bien sûr, on peut faire la guerre, on peut annexer des territoires, on peut subjuguer des genres de vassaux si vous voulez, mais c'est pas le but peut-être principal, bien qu'on fasse quand même bien ce qu'on veut dans le jeu, bien sûr. Si on veut, si on a pour but de grandir le plus possible, on peut aussi le faire, mais le jeu est vraiment orienté ressources principalement et gestion principalement. Shkaro, salut, merci beaucoup de la confirmation que tout va bien au niveau du stream. Alors on va peut-être juste vous dire, donc le jeu sort demain soir, j'imagine, généralement ça sort le soir, le jeu sur Steam, peut-être ce sera au matin, je n'ai pas l'information. Il est développé par Paradox, que je remercie de m'avoir donné un accès à l'avance. J'y joue depuis une toute petite semaine, alors j'ai pas pu jouer tant que ça, mais j'ai quand même quasiment 20 heures de jeu dessus, ce qui est largement insuffisant pour bien maîtriser le jeu. Je vais faire mon possible en tout cas pour vous expliquer, et puis on va faire un début de Let's Play en live ici, avec la Belgique, évidemment, pour une fois que je peux jouer avec la Belgique, qui est quand même loin d'être misérable dans le jeu à cette époque, puisque le jeu commence en 1836. C'est juste après, ou 6 ans en tout cas après l'indépendance de la Belgique, on s'est libéré de l'oppression des Pays-Bas et on va pouvoir développer notre économie et procéder à la révolution industrielle comme tout le monde. Romain, salut! Donc ça va être un des objectifs de procéder à cette révolution industrielle et de faire une chouette partie, j'espère. Alors, on a plusieurs objectifs possibles, c'est-à-dire que ça, c'est un petit peu les objectifs que vous allez vous fixer dans le jeu, et le jeu va un petit peu s'adapter en termes de journal des entrées, les petites quêtes qu'ils vont vous donner éventuellement. C'est pas obligatoire, ça reste quand même le même jeu que si vous jouez au bac à sable. Et vous avez également la version tutoriel, où vous aurez alors des entrées de journal dédiées à vous apprendre un petit peu le jeu. Je l'ai fait, c'est plutôt bien foutu, c'est largement incomplet par rapport à tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, évidemment, mais ça donne un bon point de départ. Bienvenue tout le monde, Jean-Hendrick, salut, Nasco, bienvenue, Pépic, hello, très content de te retrouver également. On a Eric, on a Proximax et on a encore plein d'autres personnes, heureux de vous voir nombreux ce soir. On va commencer la partie. Alors je suis loin d'être un pro des jeux de grande stratégie de Paradox, hein, je vais faire mon possible. Et en tout cas, j'espère en tout cas prendre du plaisir avec vous à jouer avec cette petite Belgique, petite en taille, mais grande en puissance. En tout cas, on va essayer. On va la sélectionner. Alors, si jamais vous voulez voir ce que ça donne avec la France, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là. Mais on ne va pas jouer la France. La Belgique, c'est mon pays. Je suis belge. Et l'autre avantage de jouer avec la Belgique, c'est que c'est un pays plus petit, bien sûr. Et donc, il y aura moins à gérer en termes de quantité de choses identiques. C'est-à-dire, on n'aura pas 36 États différents, 36 régions à... ou 42, je ne sais pas, à jouer en fait avec la France, sera la Belgique. Donc, on va être limité, au début en tout cas, à deux États. C'est quand même un peu plus simple. Deux régions. La Flandre et... la région wallonne. Alors on est parti avec la Belgique, donc puissance mineure, mais quand même, on est quand même 16e mondial, hein, c'est pas mal. C'est vraiment l'époque idéale pour jouer la Belgique en fait. Hein. Un PIB de 6 millions, une grosse partie du jeu, ça va être d'essayer de faire monter cette production, ce produit intérieur brut, produire, croître. La population, 4 millions. Le degré d'alphabétisation, 45%. Et puis on est catholique, flamand et wallon bien sûr. Le niveau de vie démuni, mais c'est plutôt normal pour l'époque. Et on est une monarchie constitutionnelle. Pas de guerre en cours. Alors, on va autoriser les succès. Et je vais laisser les règles du jeu par défaut. Alors, on peut avoir les succès tout en jouant pas en Iron Man. C'est une nouveauté par rapport à Crusader Kings 3, en tout cas. On pouvait pas avoir les succès quand on jouait pas en Iron Man. Donc, je vais laisser désactiver. Comme ça, on pourra recharger si on fait une grosse boulette. Ça peut parfois arriver. Tu peux choisir le pays que tu veux gérer, Aslan, tout à fait. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Un début du live, ça va être de répondre à toutes vos questions. Je vais rejouer en même temps aussi quand même, un peu. Hein, donc ne vous étonnez pas si à un moment donné, je réponds plus aux questions pendant une minute ou deux, mais c'est parce que je joue. Vous pouvez jouer ce que vous voulez. Je pense même que vous pouvez jouer, si vous voulez, un gouvernement qui n'est pas encore centralisé, qui n'est pas, entre guillemets, civilisé. Mais pas... Non, ça on peut pas faire. On peut pas incarner une nation décentralisée, mais toutes les autres, vous pouvez.
Vous pourrez pas prendre les pays entre guillemets colonisables en fait. Mais vous pourrez prendre les autres. Genre l'Algérie, vous pouvez. Le Maroc, si vous voulez jouer la Chine, vous jouez la Chine. Le Japon, etc. Et nous, on va jouer donc la Belgique. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose. On peut observer, pays aléatoire, on joue en multijoueur, bien sûr. Ok. Hello, salut Bastien, hello Antonio Cassin, salut. Est-ce qu'on est en pause? Oui, on est en pause. Parfait, on va devoir laisser en pause, je dirais 5-10 bonnes minutes, le temps de vous montrer le début et de faire les premiers réglages. Alors déjà, au niveau de la carte, je trouve ça vraiment beau. Petite annonce pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur les lives. J'ai changé mon forfait internet. Maintenant, j'aurai une meilleure vitesse. Je vais donc pouvoir proposer des images de meilleure qualité et un live plus fluide, mais ce ne sera pas encore pour cette fois-ci, ce sera pour, a priori, le prochain live, j'espère, en tout cas le mois prochain. Donc, quel pays voudrais-je jouer après la Belgique? Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, on va déjà se concentrer là-dessus. Une partie, ça dure déjà très très longtemps. On va commencer par regarder un petit peu les bonus ou malus de nos états, de nos régions. Si je prends la région qui m'intéresse le plus, celle d'où je suis ici, la région Wallonne, pardon. Ben, on remarque un truc intéressant, c'est qu'on a le bassin houillé du Borinage. On aura plus 10% en capacité de production des bâtiments de type mine de charbon. Une grosse partie de notre économie va être basée sur le charbon, le fer, la transformation en acier et peut-être la production de moteurs, d'armes, on verra, des produits qui peuvent en découler. Mais les ressources naturelles qu'on a ici, c'est le charbon et le fer principalement, si je dis pas trop de bêtises. En Flandre, on n'a rien de particulier. On pourra faire des cultures, on pourra faire des industries de transformation et d'autres choses. Voilà pour notre petit départ avec en tout cas les ressources. Alors la première chose qu'on va faire, c'est regarder notre secteur de construction. Parce que ce qu'on va faire beaucoup dans le jeu, c'est construire des bâtiments. Vous avez la liste des bâtiments qui sont construits déjà dans notre pays pour le moment. On en a déjà pas mal. Honnêtement, pour un début, c'est quand même assez fort. On a des industries alimentaires, on a des usines de textile. Le 2, le 4, c'est le niveau d'avancement du secteur. Donc il ne faut pas imaginer que j'ai 4 usines de textile, même si on pourrait imaginer ça. Disons que c'est plutôt un chiffre abstrait qui représente les investissements et la quantité de matériel, d'usines qu'on a à notre disposition pour produire. Donc c'est le niveau d'infrastructure, si vous voulez, de ce secteur. Les meubles, les outils, usines à papier, il y a plein de trucs. Hein. Le jeu est vraiment basé sur les ressources et les populations, vous allez voir. Usines chimiques, aciéries, manufactures d'armes, on a les centres urbains qui donnent des services aux gens. Les administrations gouvernementales, on y reviendra après, université, centre de commerce. Donc on n'est vraiment pas nul. Pour commencer, on a pas mal de choses. Et ça, c'est uniquement les bâtiments urbains. Vous avez également les bâtiments ruraux, les bâtiments de développement, casernes, ports, voies ferrées pour les infrastructures, et puis les bâtiments liés à la construction. Alors les bâtiments liés à la construction, c'est assez important au début de regarder parce que votre puissance de construction, ici j'ai 15, va indiquer un peu la vitesse à laquelle vous allez pouvoir faire des bâtiments et donc développer votre économie. Donc c'est assez important, je pense, au début de regarder si on a assez. Moi, j'ai 2. Je pense qu'on va monter un petit peu. Est-ce que j'ai déjà le Congo? Très bonne question, mais non, j'ai pas le Congo. Tout ce qui est colonisation dans le jeu n'est pas encore fait. Il y a des États qui ont déjà un petit peu colonisé, je pense. On doit sans doute avoir voilà, le Portugal. Enfin, les pays colonisateurs, évidemment, ont déjà colonisé une grande partie... tout ce qui est Caraïbes, bien sûr, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Mais tout ce qui est Afrique, il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Et le Congo, c'est pas encore fait. Le Congo, c'est pas encore fait. Donc, un des objectifs de cette partie, ça pourrait clairement être d'y aller. Ça pourrait être une chose. Et puisqu'on parle des objectifs, un des trucs que j'aimerais sans doute faire, ce serait probablement me venger, entre guillemets, en tout cas, porter le feu chez notre ancien propriétaire. Les Pays-Bas. Je pense que ce serait cool de démontrer la guerre dans cette soirée, déjà s'il y a moyen, en attaquant les Pays-Bas, mais on sauvera avant alors parce que ça pourrait mettre vraiment le boxon en Europe une fois que vous lancez un coup d'État, un coup diplomatique, un coup d'agression, un coup d'annexion, comme vous voulez, et vous avez plein de choix. Vous cliquez à droite, vous avez les possibilités. Ça peut mettre le boxon parce qu'il y a des pays qui vont se rallier à l'un et à l'autre, et ça peut faire vite une petite guerre mondiale, ou une guerre en tout cas européenne. Il faudra vraiment se méfier. Mais ça pourrait être pas mal. Donc on va revenir sur les constructions. Bonjour à tous et bienvenue. L'inauguration du Mannequin Peace, peut-être. En tout cas, on pourrait essayer d'être culturel également. Ce serait une bonne idée. As-tu la permission de nous dire ce que tu en penses après tes 20 heures de jeu? Oui, bien sûr, je dis ce que je veux. J'adore, évidemment, après 20 heures de jeu. Après, 20 heures de jeu, c'est peu pour ce type de jeu. Donc il est très très complexe, très complet. Si vous voulez, après 20 heures, j'ai plutôt égratigné la surface, appris les contrôles. Jouer des petits débuts de partie pour voir comment ça fonctionne. Mais de là à me faire une idée solide, c'est vraiment trop tôt.
Mais en tout cas, c'est très très chouette. Il sort demain soir, ouais. Donc bâtiment, construction. On a un bâtiment en Wallonie, un bâtiment en Flandre. On va en rajouter déjà un, peut-être pour commencer. Et on va le rajouter en Wallonie, peut-être parce que voilà, j'ai envie d'aller là. Si je clique, il va me rajouter un niveau de construction, de bâtiment de construction, et il va mettre dans la file de construction, vous voyez, je peux lâcher le temps, les constructions. Là, vous avez l'écoulement du temps, ça se passe plus ou moins par jour, matin, midi, soir, et en gros, il y a pas mal de chiffres qui changent chaque semaine ou alors chaque mois. Ça dépend un petit peu des types de chiffres. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Complexe à comprendre ? Est-ce que c'est complexe à comprendre ? Je dirais quand même oui, hein. Il faut quand même faut lire pas mal. Heureusement, il y a beaucoup de tooltips, comme dans pas mal de jeux Paradox, qui sont vraiment bien faits. Et ils sont en cascade, donc si je clique sur, enfin, si je vais sur Généraux, je peux aller sur Bataillon, il va me décrire un petit peu les bataillons. Enfin bref, il y a moyen d'apprendre le jeu comme ça quand même assez facilement, mais il faut y passer du temps, hein, bien sûr. Ça reste un jeu Paradox, évidemment. C'est pas... Oui, c'est un jeu Paradox, bien sûr. Faudrait se venger aussi. En fait, faudrait se venger de tout le monde, du coup. Mais non, on va pas. C'est pas possible. On peut pas se mettre tout le monde à dos, sinon on aura trop d'infamies et on aura des problèmes. Donc on va y aller tranquillement. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu les capacités. Donc dans le jeu, vous avez des compteurs, comme dans tous les jeux Paradox, bien sûr. Et les trois compteurs qui sont les capacités, c'est la bureaucratie, l'autorité et l'influence. Tout ce qui est diplomatique. La bureaucratie, c'est votre capacité à diriger l'État, à taxer les gens, à faire du commerce, bref, à gérer votre pays. D'accord, je suis en excès de 47, ce qui n'est pas énorme. Quand vous êtes en excès dans une des capacités, que ce soit autorité, influence ou bureaucratie, vous allez avoir des petits bonus, mais les bonus sont moins intéressants que les malus ne sont ennuyeux. Donc l'important, c'est d'être en positif un petit peu. Être en positif beaucoup ne donne pas grand-chose de super, super intéressant a priori. Donc on fait gaffe à ça. Et pour la dépenser, on pourra faire du commerce éventuellement. Vous voyez, j'ai moins 45 à cause des routes commerciales qui sont déjà actives au début du jeu. On peut les regarder rapidement. Alors, ce qui est cool, c'est que quand on active les petits boutons ici, pour faire différents... C'est des raccourcis, si vous voulez. Il me met la surcouche nécessaire. Donc, il va m'indiquer ici les routes commerciales que j'ai avec les États-Unis, la Grande-Bretagne. Donc, on exporte de l'engrais, des meubles... On importe des teintures, des vêtements de luxe, des moteurs et des clippers. Les clippers, ils sont utilisés pour le commerce, pour avoir suffisamment, si vous voulez, de points de logistique pour le commerce. A priori, on ne fait pas grand-chose d'autre. On exporte de l'acier vers la France. Oui. Et on importe du soufre de la Prusse. Très bien. Donc ça, c'est pour la bureaucratie. On va y revenir après. L'autorité, c'est votre capacité à pouvoir prendre des décisions avec ou sans l'avis des gens, bref, à exprimer votre autorité, ça parle d'autorité, hein, c'est pour exprimer des décrets, et on la gagne par exemple avec des lois plus ou moins autoritaires. Ouais, après, c'est vraiment un très gros résumé que je vous fais, je ne maîtrise pas encore suffisamment pour vous expliquer tous les détails, on va voir ça ensemble. Donc là, on voit que j'ai quand même un gros excès, donc on va essayer de revenir un peu plus à l'équilibre. Ce que je peux faire, c'est venir voir dans l'aperçu politique... les décrets que je peux placer. Et ces décrets, ils vont avoir un coût d'autorité. Vous voyez, 100, 100, etc. C'est des trucs qui vont me donner des bonus. Donc c'est un peu bête de laisser plus 517. On a une grosse autorité au début du jeu apparemment. Donc on peut faire des efforts, par exemple, d'entretien des routes qui vont me donner plus d'infrastructures, plus d'efficacité de la construction, plus 10%. C'est toujours bien à prendre. On va les mettre dans chaque région pour construire plus vite. Il me reste plus 317. On pourrait dire répression, peut-être pas besoin. Le secours d'urgence pour l'aide sociale, je sais pas trop pour l'instant si j'en ai vraiment besoin. Je pense que pour l'instant, on peut peut-être s'arrêter là et vous me direz si vous avez d'autres idées. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ce jeu ressemble beaucoup à Crusader Kings 3 en termes de graphisme. Ah oui, tout à fait, bah, c'est le même moteur, je pense, hein, a priori, donc... C'est le même moteur de jeu, le moteur Paradox amélioré récemment. Et est-ce qu'il est aussi compliqué que Crusader Kings 3? Oui, je pense qu'il est, il est facilement aussi compliqué que Crusader Kings 3, mais c'est pas vraiment les mêmes mécaniques, donc c'est difficilement comparable, mais je dirais que c'est plus ou moins dans le même ordre d'idée. Il y a certainement autant de mécaniques de jeu que dans Crusader Kings 3, je dirais.
Et je dirais qu'il est effectivement peut-être un peu plus dur, comme dit Darktoon, quand même un peu plus dur à maîtriser, je dirais. Ok, donc ça c'est pour l'autorité. La diplomatie, j'ai aussi un gros bonus en diplomatie, un gros excès. Ça sert à rien, donc c'est pas des... Vous stockez pas hein, les points-là. Soit vous en avez en plus, soit vous en avez en moins, mais vous ne stockez pas. C'est comme c'est une barre qui passe au-dessus ou en dessous de 0, et c'est tout. Bon, l'idée c'est de se rapprocher plutôt de 0. Vous voyez, en positif, j'ai plus de déclin à l'infamie quand je vais déclarer des guerres, faire des annexions. Oui, la Belgique va peut-être pas le faire, mais on va peut-être essayer de le faire. Ben, vous pourrez avoir de l'infamie, ça baissera plus vite si vous avez de l'influence. Mais bon, c'est pas... À ce stade-ci du jeu, c'est vraiment pas utile, donc on va plutôt faire des actions diplomatiques. Alors moi, je sais pas trop, mais... Alors le filtre, j'adore le filtre ici, diplomatie. Parce qu'il vous donne, avec des beaux petits graphismes, directement ce que les autres pensent de vous. Donc... Toujours faire attention à ce que la Grande-Bretagne pense de vous et la France, ainsi que la Prusse, la Russie parce que, et l'Autriche, ils sont très puissants. Faut faire gaffe, je pense. Donc les Britanniques sont protecteurs entre nous, envers nous. On va quand même commencer encore à améliorer les relations, ça coûte 300. La France est prudente, donc là je me méfie quand même. On va essayer d'améliorer les relations. En fait, on va manger à tous les râteliers, hein, on veut pas se faire attaquer, donc on va essayer d'être sympa avec les grands de ce monde. La Prusse, on va essayer également. Et là, je suis à plus 100, donc je vais m'arrêter là. Ça me paraît déjà bon. Le militaire, on y viendra plus tard. Et donc là, on a vu les trois capacités. Là, c'est l'argent. Alors, tout l'argent dans le jeu est en livres. Pour signifier, bah oui, c'est la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de notion de change et tout ça, évidemment, serait beaucoup trop compliqué. On reviendra peut-être sur le budget plus tard. Pour l'instant, je suis en positif. Ok. Technologie. On va lancer une technologie, évidemment, avant de débloquer la pause. Vous avez trois arbres technologiques séparés pour la production. On voit qu'en tant que Belge, on est vachement malin, on a déjà eu pas mal de technologies débloquées. Mais il y en a encore beaucoup à faire. Le militaire, on est également déjà assez loin. Et puis la société, on est plus ou moins au même niveau. On est à peu près au niveau 2, à peu près partout. Donc moi, en début de jeu... J'aurais bien envie de débloquer un petit peu des choses qui vont aider nos industries, vu que c'est un peu le but quand même du jeu. Après, on regardera un petit peu la société et puis le militaire. Donc, on pourrait essayer d'aider nos mines et nos industries de transformation. Je me dis que peut-être le procédé Bessemer, qui déverrouille une nouvelle méthode de production pour nos aciéries, ça pourrait être bien. On l'aura pas tout de suite, le temps qu'on l'ait, on aura le temps de développer un peu les aciéries, de les rendre directement plus efficaces. J'aimerais être un petit peu réaliste à ce niveau-là et me dire si je pouvais être un leader mondial de l'acier, parce qu'on a quand même, je veux dire, on a les sources de... On a les mines de charbon, on a les mines de fer, donc pourquoi pas. Ça paraît logique. On va faire ça. Donc on a 7500 points à prendre et on en gagne 54 par... Je sais plus par combien c'est. Est-ce que c'est par... Par semaine ou... C'est par semaine. Hebdomadaire, 54. La diffusion, ça c'est autre chose. C'est les idées des autres pays qui viennent vers nous. Et on peut gagner comme ça. Vous verrez de temps en temps, on aura des technologies qui vont arriver toutes seules. J'en gagne pas mal. Ça dépend de mon degré d'alphabétisation, de la valeur de base et de l'innovation que je n'utilise éventuellement pas pour le moment. Bon voilà, c'est un peu... C'est pas super compliqué, mais... Il n'y a pas besoin de savoir les détails forcément pour pouvoir jouer. En tout cas, pas pour le début. Donc, vous voyez qu'il y a une icône qui s'est mise. On fait la construction ici pour améliorer un petit peu les constructions ultérieures. Donc, on est plutôt bien pour ce départ, je pense. Je regarde si j'ai rien oublié dans mes petites notes pour le début. Le filtre diplomatique, on l'a regardé. On va regarder un truc pour vous montrer un petit peu mes plans. C'est le filtre diplomatique des relations... Si j'arrive à trouver la Hollande, voilà. Diplomatie... Les relations à l'égard des Pays-Bas. Je voulais juste voir s'ils ont des gens qui les protègent. Donc la Grande-Bretagne les aime bien, la France les aime pas trop, ça m'intéresse beaucoup. La Prusse complètement neutre. Donc vous voyez, il n'y a personne qui s'intéresse aux Pays-Bas en fait. Les Ottomans les aiment pas non plus, après ils sont un peu loin, mais ça reste possible d'avoir des interventions relativement loin, militairement parlant je veux dire. Donc tout ça est intéressant, et on essaiera à terme peut-être pour démontrer la guerre, de les attaquer. Même si dans une partie sérieuse, je le ferai peut-être pas trop vite, on essaiera quand même de le faire. Il y a également la colonisation, et donc ce serait pas mal de pouvoir aller coloniser la région du Congo. Puisque, dans les genres de succès qu'on peut avoir, les décisions qu'on peut prendre, on peut faire des expéditions sur le Congo. J'imagine qu'il faut quand même aller coloniser là-bas pour pouvoir le faire. Et ce serait assez historique également que ce soit nous qui le fassions plutôt que quelqu'un d'autre. Voilà. Là, vous avez les petites quêtes que vous pouvez essayer d'activer. Ça reste intéressant de les lire quand vous commencez une partie. Oui, la carte est jolie, hein. Franchement, j'aime bien.
Déjà 4 personnes révolutionnaires, oui, tout à fait. Ça va. Mais ça va vite monter, vous allez voir. Alors, Ima, désolé si je loupe les questions, mais il faut que je joue aussi en même temps. Le Congo, c'est pas la Belgique. Non, pas encore. Pas encore à cette période-là. Donc, celles qui sont actives. Voix du libéralisme. Ça, c'est promulguer le suffrage plus libertaire, censitaire, universel. Pour l'instant, c'est le vote des riches. Le romantisme. Il faudrait qu'on améliore une université, je pense. Non, rechercher le réalisme. On a le temps pour faire ça, je pense. Alors, on a 9 ans. D'accord. Ça, c'est améliorer l'université. On le fera au fur et à mesure. Ligne secondaire. Alors, la Belgique a ceci de particulier que c'est un des premiers pays à avoir eu les réseaux ferroviaires. Donc, on va essayer de baser également notre force là-dessus. En activant les lignes secondaires, il faut avoir des transports ferroviaires au niveau 3 dans un état, je pense. Donc ça, on le fera également. Et puis là, vous avez les quêtes que vous pouvez activer. Elles ne sont pas actives maintenant parce qu'il me manque quelque chose. On pourra regarder au fur et à mesure, mais je pense que pour ce début, il n'y a pas forcément besoin. Alors notre leader, pour ceux qui se posent la question, c'est le roi Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, hein, bien sûr. Léopold le bas 1, du coup. Voilà, il y a des traits de personnages qui peuvent influencer un petit peu la manière dont on peut avoir des bonus ou des malus. Bon, je n'ai pas spécialement fait trop gaffe, mais on peut améliorer les relations plus vite. Moins de radicalisme des mouvements politiques, on verra ce que c'est plus tard, parce qu'on en aura malheureusement. Et puis, plus 5 en défense, moins 5% de dégâts au moral sur l'ennemi, je pense. Voilà. Ok, est-ce qu'on est bon pour lever la pause? J'ai l'impression que oui. On a fait un premier bâtiment. On pourrait mettre déjà quelques taxes si on voulait. Mais je crois que pour l'instant, on va attendre. Donc là, vous avez la vitesse, vous pouvez accélérer vachement. Hein, si jamais vous voulez jouer plus vite, c'est tout à fait possible. Voilà, la barre se remplit. Dans 2 semaines, on a terminé notre industrie de construction. Alors, je vais pas attendre qu'elle se termine parce qu'on peut construire plusieurs bâtiments en même temps. Même si là, elle utilise les 15 sur 15 forces de construction pour faire le bâtiment qui nous permettra de construire plus tard, plus vite. On pourrait, c'est vrai, attendre qu'il se termine. Et puis, on lancera à fond d'autres bâtiments. Je vais quand même mettre en pause pour vous montrer ça. C'est pratique, c'est comme dans tous les jeux Paradox. Vous avez ici des notifications qui vous indiquent s'il y a des soucis, des choses desquelles vous devriez vous occuper. Donc... Blas, bonjour. Donc, on va regarder quand même un peu. Souvent, c'est des indications de prix élevé, de manque de ressources, parce que c'est vraiment le cœur du jeu. Alors, papier sur le marché belge. Ça, c'est des biens gouvernementaux. Donc, ça veut dire que c'est nous qui les payons. Donc, tant que je suis en positif au niveau argent, ça ne m'inquiète pas trop. Le fer, le papier, les outils. Par contre, fer et outils, c'est utilisé également par d'autres industries. Bah, le papier aussi, sans doute. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Donc, potentiellement, on va se pencher là-dessus assez vite. Route commerciale improductive, on va s'en occuper plus tard. Ok. Alors, je profite pour vous lire. Pas de mort du dirigeant, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vraiment fait gaffe à ça. Est-ce que c'est... Alors, c'est comment au niveau performance? Dans un début de jeu, c'est nickel. Après, dans une fin de partie, je ne sais pas. Je ne suis pas arrivé jusque-là. J'ai plutôt fait des débuts de partie pour apprendre le jeu. Mais... certaines personnes ont rapporté des petits problèmes de performance sur les fins de partie. Mais je ne peux pas vous confirmer. Voilà, rien en cours de construction. Vous aurez remarqué que quand je construisais, j'avais moins d'argent. Il faut faire attention à ça. Construire coûte très cher, ce qui est logique. Voilà, on voit que, par contre, les choses ont changé. On va jeter un petit coup d'œil maintenant sur les bâtiments et le marché. Ça, c'est très important. Donc, on va y passer un petit peu de temps pour vous expliquer et pour faire nos premières constructions. Je rappelle que je suis quand même encore relativement débutant sur le jeu, donc si je fais des bêtises, vous m'en excuserez. Bon, c'est comme ça. Donc ce qu'on me dit ici, le papier est cher sur le marché belge. Bon, je vais ici sur le marché, et ça me donne ici les prix du marché. Alors ce qui est vraiment très cool dans le jeu, chaque pays ou groupe de pays qui ont eu éventuellement une union douanière partagent les mêmes prix, les mêmes ressources, les mêmes ventes, les mêmes achats, enfin bref... tout est groupé en fonction de, généralement, un pays, parfois plusieurs. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas assez de papier, je peux en importer ou je peux en produire plus. Il y a différentes manières de s'occuper de ça. Donc, si je vais sur le prix sur le marché, effectivement, le prix du papier est à plus 39%. Ça m'inquiète, mais pas autant que... Alors, les vêtements de luxe, ils sont très chers, mais c'est pas grave. Les vêtements de luxe, ils vont être achetés par les riches. Je pense que pour l'instant, c'est pas trop un problème.
Pareil pour la porcelaine, ça m'inquiète pas encore trop. Par contre, mon fer, j'ai pas envie que ce soit trop cher. Il est produit par les mines de fer. Il est utilisé sans doute par l'acierie. Alors ce qu'on voit ici, pourquoi est-ce qu'il est cher? Pourquoi est-ce qu'il est à 58, ce qui est cher par rapport au prix du marché mondial, moyen si vous voulez, plus 47% par rapport au prix de base? C'est parce qu'on a plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente sur mon marché. Dans mon pays, en Belgique, on veut consommer 269 et on ne peut commander, on ne peut vendre, donc on peut acheter si vous voulez, si on se place du point de vue de l'acheteur, mais là c'est du point de vue du pays si vous voulez, de la production. On en produit que 164, ou en comptant les importations. Donc c'est ça qui fait que le prix est fort. C'est ça qui fait que le prix est élevé. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est produire plus d'acier, plus de fer, pardon, pour faire baisser les prix. On pourrait aussi en importer. Et si je regarde, il m'en manque quand même 104, c'est indiqué ici. 104, c'est vraiment un gros déficit. Hein. Ça, c'est un problème. Si on va voir les usages, c'est produit donc par la mine de fer, et c'est utilisé par industrie alimentaire, éventuellement fabrique d'outils, usine chimique, aciérie, élevage de bétail, secteur de construction. Pourquoi le fer dans le bétail, je n'ai aucune idée, il faudrait regarder en détail. Mais voilà, donc ça c'est quand même... Ça peut être important, et en gros c'est important. Parce que je sais que si je fais du fer, il va partir dans mon marché, le prix va baisser, les entreprises vont mieux tourner. On va y revenir après. Par exemple, on va aller voir... On va y revenir maintenant en fait, on va prendre le temps. Allons voir nos usines, nos aciéries, voilà. J'en ai en Wallonie. Niveau 3. Est-ce que par hasard tu sauras à quelle heure sort le jeu? Non, je ne sais pas à quelle heure sort le jeu. Je ne sais pas si c'est à minuit ce matin, enfin demain matin ou à 7h. Donc les aciéries, pour l'instant, elles tournent mal. Le prix du fer est très élevé. Le prix du charbon, il est moyen. Ça va. On ne doit pas trop jouer là-dessus pour le moment. Et tout ça fait que on a une productivité et un solde hebdomadaire qui est mauvais, qui sont mauvais. La productivité, si vous voulez, c'est la différence entre ce que un travailleur va produire en termes de valeur et ce qu'il va coûter en termes de consommation de ressources, etc. Donc, il faut que ce soit le plus positif possible. Et en tout cas, certainement pas rouge. Et le solde, c'est ce que gagne l'entreprise de manière hebdomadaire. Donc, si c'est en négatif, vos réserves de liquidité vont baisser. Baisser. Les salaires vont baisser. Le salaire annuel moyen va baisser. La productivité va baisser. Les gens vont partir, voire même partir de la Wallonie pour aller travailler ailleurs. Bref, c'est l'enfer. Il faut éviter ça absolument. Il faut que les gens soient bien payés et qu'il y ait de la productivité et du solde positif. Très important. Ton marché est servi en premier par rapport à l'exportation quand tu produis toi-même. Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas encore beaucoup joué avec ça, mais... faut que je vois où ça se trouve. On va revenir sur fer par exemple. Voilà. Tu peux gérer ici au niveau des droits de douane. Si tu fais des accords commerciaux, tu peux gérer de. Tu peux demander quand même de protéger l'approvisionnement national ou d'encourager l'exportation. Alors je sais pas à quel point ça fonctionne plus ou moins bien. Le mieux, si tu produis pas vraiment assez pour exporter, c'est de ne pas exporter, quoi. On reviendra après quand on sera un peu plus loin, je pense. La division des journées en matin, jour, soir, je ne sais pas ce qu'elle apporte. Non, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas d'idée. Est-ce que c'est pour le fun? Ou est-ce que ça change quelque chose? À mon avis, si ça a un impact, c'est sans doute plutôt pour les combats. Pour la partie militaire, ça peut avoir un impact, j'imagine. Pour le reste, je ne vois pas trop ce que ça change. Donc on revient sur notre production de fer. Après, on ira plus vite, hein, rassurez-vous, mais là, c'est pour la première fois. On va bien regarder le prix de l'acier, mais peu importe, parce que de toute façon, on peut... Si je viens ici, on a le prix du marché, c'est le graphe en dessous, qui est très sympa, pour tenir compte de voir un peu les résultats de ce qu'on a fait. On va aller dans le rural, et on sait qu'on manque beaucoup de fer, donc on va en construire directement deux niveaux en plus en Wallonie, et on va regarder un petit peu les méthodes de production. Les méthodes de production, elles vont vous permettre de produire plus, ou alors de produire différemment en utilisant d'autres ressources. Bon, pour le faire, ce sera un peu compliqué, je pense. Ou alors d'utiliser des machines de l'automatisation, du transport amélioré via le transport ferroviaire, qu'on a déjà débloqué, le jeu ne me l'a pas mis. Si j'active le transport ferroviaire avec nos beaux trains, on va consommer plus de points de transport, 20. On aura besoin de moins d'ouvriers. Est-ce qu'on produira plus?
164. 164, non. Donc est-ce qu'on a besoin de faire ça pour le moment? Pas forcément. Maintenant, il estime que je vais gagner plus si j'utilise les transports. Je pense que je vais quand même le faire. Là, on n'a pas débloqué. Là, on n'a pas débloqué. Là, on n'a pas débloqué. Donc on utilise déjà les meilleures technologies disponibles, si vous voulez. Et notre productivité, elle est pas mal. Donc on sait que quand on va augmenter le niveau, sachant qu'il y a une grosse demande en fer hein, par notre aciérie, bah, on va gagner de l'argent. Enfin, là, le fer va gagner de l'argent. Donc ça ne posera aucun problème, ni d'emploi, ni de niveau de vie des gens, etc. D'accord ? Donc là, ça s'est mis dans la file. Apparemment, j'en fais qu'un à la fois. Je pensais que des... Alors, à mon avis, j'en fais qu'un à la fois parce que c'est en Wallonie. Si j'avais fait un bâtiment en Flandre, peut-être qu'il en aurait fait deux. Mais alors, il aurait divisé en deux les... la force de construction, je crois. Ok, on est parti. On n'a pas encore abordé l'aspect politique. On va y venir après. On va juste accélérer un petit peu. Terminer cette production de fer. Pas forcément essayer d'optimiser, mais de toute façon j'en serais bien incapable. Alors, de temps en temps, vous aurez des événements. Ils s'affichent là et se mettent également ici. Agriculture inefficace. Les industriels ont commencé à se plaindre de la présence de fermes de subsistance en Flandre, affirmant que leur inefficacité était indéniable et qu'elle devait impérativement être corrigée. Le sol fertile de notre peuple est confié à des mains fatiguées et calleuses, trop épuisées par le travail manuel pour travailler à un niveau acceptable, trop pauvres pour utiliser des outils avancés, qui les rendraient plus rentables. Cette industrie n'est rien qu'un investissement perdu d'avance. D'accord, donc les industriels, c'est un groupe... comment dire? Un groupe d'intérêts. Je vais vous expliquer ça après au niveau de la population. Dans le jeu, c'est important de plaire un maximum au groupe d'intérêts, qu'ils soient heureux. On a des bonus quand ils sont heureux. Mais on peut jamais plaire à tout le monde. C'est un peu le souci. Donc, on va voir un petit peu. Si on suit les conseils, on a ferme de subsistance déconseillée. Plus attractivité migratoire, pourquoi pas. Plus 5% des groupes sociaux de classe supérieure en Flandre deviennent plus radicaux. Ça peut être embêtant. Ou alors, dire non, elles servent notre objectif. Et alors moins 1 d'approbation du groupe d'intérêt industriel. Je pense que les industriels, j'aurai largement le temps de leur plaire plus tard. J'ai pas trop envie d'avoir des radicaux, en fait c'est embêtant les radicaux. Ils sont déjà montés à mort. On va mettre, elles servent nos objectifs. Je pense. Je pense que oui. On va faire ça comme ça. Bon, j'aurais juste qu'on termine un petit peu les... On va faire plus de construction après parce qu'honnêtement, je vais pas assez vite, je trouve. Observez que quand j'utilise au maximum ma construction, je suis à l'équilibre budgétaire. Mais on a quand même un stock, une réserve de 674 000. Donc au début du jeu, on peut se permettre d'être un petit peu en déficit. Donc on va demander encore plus de construction. Et on va équilibrer avec la Flandre. Alors chaque secteur de construction d'une région sert à la construction de partout. Donc, c'est pas forcément local, mais c'est un tout petit peu plus efficace si c'est construit à l'endroit où on va construire les bâtiments. Cela dit, on va construire également en Flandre, donc on va essayer quand même globalement d'équilibrer. Allez! On va essayer quand même d'aller relativement vite. Boum, on en a une. Alors déjà là, notre production de... On est à moins 96. On est à plus 34% du prix du fer. Vous voyez que le prix du fer, comment il a déjà commencé à baisser? Ça va faire tourner beaucoup mieux nos industries de l'acier. C'est ce qu'on voulait. Il n'y a pas de surprise. Le jeu fonctionne très bien à ce niveau-là. C'est tout un jeu d'offres et de demandes, en fait. À l'intérieur des frontières, mais également à l'extérieur des frontières, vu qu'on peut avoir des accords commerciaux. Alors ce que je vais faire également, c'est qu'on va venir là et que je vais hop, mettre mes états ici. On va avancer. Ok. Alors je vais mettre en pause. Scraggy, salut. On va aller voir le prix. Voilà, il est pas mal, il a quand même pas mal baissé. Hein. Je sais plus à combien il était, mais il était quand même, il était élevé. Hein.
Donc là, le prix ayant baissé, on revient voir en urbain notre Assyrie ou nos Assyries wallonnes. Elles gagnent de l'argent. On a sauvé le secteur de l'acier en Wallonie. Donc vous voyez, ça va souvent être comme ça. Il faut faire gaffe à ce qui se passe. C'est les premières aciéries du monde maintenant en termes de productivité. Bon, c'est, à mon avis, on doit quasiment être les seuls parce qu'on n'est pas très très productif. Mais c'est le début du jeu, il faut le temps que les autres états commencent à produire plus. Voilà. Donc ça peut embaucher. Ça fait des réserves de liquidité. Le salaire annuel moyen va monter, les gens vont être plus riches. C'est important que les gens soient heureux. Alors on va regarder la population maintenant. On a 4 millions d'habitants. Politiquement impliqués, pas tous. Bah oui, parce que, par exemple, les femmes, les pauvres, peuvent pas voter au début du jeu. Donc ça fait quand même déjà beaucoup moins de gens qui sont politiquement impliqués. Le niveau moyen de vie, c'est démuni. Ça se décompose en trois classes. Inférieure, moyenne et supérieure. Chacune a un niveau minimum attendu de richesse. D'accord ? Donc par exemple, les pauvres, s'ils n'ont pas 7-4 de richesse, c'est-à-dire en difficulté minimum, ils vont pas être contents, ils vont partir de la Belgique parce qu'ils ont faim, et en plus ils vont se radicaliser. Donc ça peut être très embêtant. Le but du jeu vraiment, c'est de monter le PIB, avoir plus de gens, et avoir un niveau de vie le plus élevé possible. Enfin, le but, pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut ça. Après le but, c'est vous qui le fixez évidemment, conquérir l'Europe, faire ce que vous voulez. Alors merci pour le tips, je sais pas qui l'a donné, j'ai loupé l'annonce malheureusement. Merci beaucoup en tout cas. Les gisements sont infinis, je pense que oui. Je pense que dans le jeu, c'est-à-dire que la période du jeu, c'est 100 ans. Hein, donc ça se termine en 1936. Donc le jeu considère qu'on ne pourra pas épuiser les ressources pendant ce temps-là, je pense. Il me semble. Alors, vous avez le détail des professions. Au début du jeu, on a énormément de paysans et d'ouvriers. On ne demande pas beaucoup plus. De toute façon, on va sans doute avoir beaucoup des ouvriers au début. Mais les gens peuvent changer de job en fonction de leur niveau de qualification qui va augmenter tout doucement. Bon, on y reviendra après peut-être, mais il faut toujours avoir les gens pour travailler dans les usines. Donc si maintenant je devais avoir des gens spécialisés en électronique, vous pensez bien qu'il n'y aurait personne. C'est un exemple bidon, mais c'est pour vous montrer le truc, quoi. Les forces politiques, la culture flamande, wallonne, mais il y en a d'autres, hein. On doit avoir un petit peu d'allemand ou de trucs comme ça, nord-germanique. Force politique. Ah bah bravo la Wallonie, merci de tenir compte de nous aussi quand même. La religion est catholique, mais deux fois le même. Je sais pas quelle est la différence. Oui, c'est population et force politique, d'accord. Et puis là, vous avez la liste détaillée. C'est pour vous montrer un peu comme le jeu, il est vraiment... Si on veut rentrer dans les détails, on peut vraiment. Donc on a 2 400 000 paysans. Et chaque groupe peut être subdivisé en son unité la plus petite, qui est une combinaison de sa culture, de l'endroit où elle vit, de sa religion et de là où elle travaille. D'accord ? Dans quel secteur elle travaille ? Donc on a les Nord-Germains protestants de Wallonie qui travaillent dans nos fermes de subsistance, etc. etc. Et ça, c'est un groupe compact qui va avoir un niveau de richesse, etc. Voilà. Après, ils n'auront pas tous le même non plus. Hein. C'est pas si compact que ça. Mais ça fait des groupes quand même qu'on peut appréhender, quoi. Je sais pas si c'est utile très souvent de venir descendre aussi loin, mais on a l'info. Donc j'ai des ouvriers, j'ai des employés de bureau, on a des commerçants, on a des religieux, des machinistes, des fermiers, aristocrates, militaires. On a plein de choses, je pense qu'on manquera de rien pour le travail pour le moment. Ça m'inquiète pas trop. On va lancer notre construction. Alors le papier est cher, on pourrait s'occuper de ça. On peut regarder les autres prix de marché. Moi j'aime bien trier par solde négatif. Généralement c'est corrélé avec le prix du marché ou alors on peut trier par prix du marché directement. Effectivement le papier est cher. Les outils sont un peu chers et ça on va en avoir besoin beaucoup. Donc ça je veux pas traîner à améliorer. Est-ce qu'il faut vraiment améliorer aussi ? Est-ce que le jeu suit l'histoire en autre les guerres ? Alors tu as une option au début du jeu pour activer le mode réaliste ou le mode... Foufou. Et donc dans le mode réaliste entre guillemets, les états liés par l'IA, enfin les états gérés par l'IA vont essayer plus ou moins quand même de pas faire des trucs trop dingos, je pense. Honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus, mais il y a l'option. Donc qu'est-ce que je voulais dire
Oui, on va faire des fabriques d'outils. Très important. Donc, on va aller dans outils. Donc, j'y suis. Je vérifie qu'on est dans les meilleures pratiques. Après, le meilleur, c'est pas toujours le plus... Ça dépend un peu ce que vous avez sous la main. Mais genre, si j'ai pas d'ingénieur, je dois pas prendre outils en acier parce qu'on pourra pas les embaucher. On va monter en Wallonie de un niveau pour le moment. Et on va construire également autre chose. On va aller voir dans les ressources. J'ai lu qu'on ne pouvait pas contrôler ses armées, dit Benoît XVI, et que tout était automatique. Alors, tu peux pas contrôler tes armées, c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai, pardon. Tu peux bouger tes généraux. Tes généraux qui ont des bataillons. Tu peux les mettre sur le front que tu veux. Et dans une guerre, il y a toujours plusieurs fronts. Enfin, il y a souvent plusieurs fronts. Donc, tu peux quand même bouger tes bataillons. C'est juste que tu peux pas choisir les bataillons à quel général ils vont se mettre. Ça dépend du niveau du général. Et le jeu répartit un petit peu entre les généraux. Ben, on verra ça après, sans doute. Hein. Donc... Oui, outils, j'ai fait. Ici, vous avez quatre choix. Vous avez les biens essentiels, les biens industriels comme les outils, les biens luxe et les biens militaires pour faire fonctionner les armées. Moi, je pense que c'est quand même, après avoir fait quelques débuts, si vous voulez que les gens soient pas dans le pétrin, faut faire gaffe qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin. Je pense qu'on peut aller voir ça dans une population. Si je vais voir ici... Le niveau de vie. 11. Alors, j'essaie de voir où est-ce que je peux voir ça. Paye 8%. C'est ici. Ça, c'est les besoins du groupe social en question. Bon, là, j'ai cliqué sur un truc particulier, mais on aurait pu prendre le niveau de paysan en supérieur. Ça dit un petit peu ce qu'ils vont acheter. Donc, s'ils n'ont pas ça, ou si c'est trop cher... C'est grave pour eux. Ça veut dire qu'ils vont payer plus cher, ils vont s'appauvrir, ou alors carrément ils pourront pas acheter parce que c'est trop cher. Ils vont devenir de plus en plus pauvres, de plus en plus mécontents, de plus en plus radicalisés et enclins à quitter le pays. Donc ça, faut vraiment éviter. S'il y a des prix trop chers, genre les meubles sont très chers apparemment, le papier. Donc ça, c'est juste pour vous montrer de l'info qu'on peut aller chercher. Mais en gros, elle est là, quoi. Je vais dans les biens essentiels et je vois directement, bah oui, le papier... Il est cher, les meubles sont chers. Et je sais que c'est des biens essentiels, donc, en toute logique, on en a besoin, ainsi que des aliments. Donc, ben voilà, de nouveau, papier, meubles, on va aller voir ça. Voir si ça tourne. En Flandre, on a un niveau et ça gagne de l'argent, donc on va juste regarder que tout est OK ici, et mettre un niveau en plus, et puis, on avait les meubles... C'est en Flandre également, déjà niveau 3, ça gagne pas mal, pourrait peut-être faire mieux. Il y a le plein emploi, hein. Il y a un salaire annuel moyen qui a l'air OK. Technologiquement, vous voyez là on priorise les meubles de luxe. Souvent l'option en mauve, c'est une option aléatoire, une option pour choisir la production, changer la production. Si je viens sur ordinaire, on fait que des meubles ordinaires. Si je viens ici, on produit des deux, mais du coup on fait moins de meubles ordinaires. Après, moi, je veux continuer à faire les deux, je pense. Maintenant, on a également ceci avec les outils de précision. Si je pars de là, on aura plus de meubles de luxe, pas moins de meubles normaux. Ça consommera plus d'outils, moins de bois, plus de bois dur, du bois noble, à mon avis. On va prendre ça. On s'arrangera pour en avoir assez. Là, on est bien. Et on met un niveau en plus. Et ça produit. Et vous voyez, quand ça produit, on est quand même encore un petit peu en positif. Donc on est content. Maintenant, je pourrais mettre en négatif, ça ne me choquerait pas trop. On refera du secteur de construction plus tard. La volonté de Dieu. Barthélemy de Theux, de Mélan, des églises catholiques. Ça, c'est un groupe social. Hein. Comment ils appellent ça encore ? Groupe d'intérêt, voilà, prêche en faveur du parti catholique dont la victoire ferait partie des plans prévus par Dieu. Selon vous, Dieu n'a pas de plan pour notre pieuse nation ? Bien sûr que si. Il y a toujours un plan. Je l'ai vu de mes propres yeux aussi clairement que je vous vois tous ici et maintenant. Et qui serait mieux placé pour diriger ce gouvernement à la dérive qu'une personne capable de comprendre ce plan ? Ouais, je vois, je vois.
Alors les Cato, c'est pas vraiment un groupe qui m'intéresse tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les industriels, les gens cultivés. Bon, je dis pas que les Cato sont pas cultivés, attention, hein, mais moi je veux faire des réformes progressistes dans ce jeu, dans cette partie, donc voilà. Donc ça, non. Quel dommage que la nation ne soit pas gouvernée par Dieu, alors. Il obtient un discours rejeté. Ah oui, donc il y a des personnages dans le jeu. Généralement, c'est des personnages qui vont être dirigeants de groupes d'intérêt ou de partis politiques. D'accord, on va y revenir aussi après. Tu contrôles aucune de tes troupes, toute la place sur le front et tu dis attaque ou défense et tout. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, tu peux quand même choisir sur quel front tu mets tes troupes. Attention, tu as déjà un déficit d'outils. Ouais, d'accord, mais on a attention qu'on a, on va produire. On va revenir dessus après. Je produis pas trop d'un coup, comme ça on peut s'adapter au fur et à mesure. Bon, qu'il soit moins populaire, je m'en tape, hein. Mais il aura plus de dynamisme pour son parti, c'est un petit boost pour son parti. Bof. Mais Dieu veut certainement que le parti libéral gagne. Oui, on va dire ça, oui. Nouvelle préoccupation. Ruro a exprimé son inquiétude au sujet des décisions gouvernementales qui favorisent nettement les intérêts des industriels. Ce n'est jamais facile de choisir. Non pas parce que la décision est difficile à prendre, mais parce que les conséquences peuvent être légèrement fâcheuses. Certains prétendent que la fumée d'usine pollue l'air de la Belgique, tel un poison dense et dangereux. Alors, nous devons y remédier. Alors ça fera plaisir aux Ruro, je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse. Parce que je veux pas qu'ils soient fâchés, trop. On a énormément de ruraux dans le jeu quand même, je pense. Beaucoup de fermiers. Il y a un poids politique de 10%, bon ça paraît pas énorme. Mais c'est surtout que c'est des sacrés conservateurs les ruraux en fait. Et moi je vais prendre des décisions qui vont pas leur plaire, donc je préfère quand même, quand je peux, leur faire un petit peu plaisir sur des bazars qui m'intéressent pas trop. Donc on va faire semblant de s'intéresser à la pollution des usines. Et ça les rend un peu plus contents. Élection dans 26 jours, ça va être l'occasion qu'on parle un petit peu de politique dans le jeu. C'est vraiment flippant cette voix d'Istemris. J'ai fait mon possible pour faire une voix un petit peu radio des années 50, même si là on est en 1800. Mais bah, c'est pas facile. C'est le mieux que j'ai eu. C'est le mieux que j'ai eu, les amis. Élection. Alors, parti catholique 56%. Allez. Parti pour le libre-échange. Ok. Alors, on va aller voir la politique. C'est également... Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, les systèmes du jeu, je les aime vraiment bien. Et même le système militaire, qui est relativement simplifié, j'aime bien. C'est pas... Voilà, si on veut jouer une partie militaire plus détaillée, peut-être qu'un autre jeu de Paradox, c'est mieux. Mais là, c'est pas tellement le propos du jeu. Donc, vous avez vu d'ensemble gouvernement, loi, institution. La vue d'ensemble, c'est le résumé avec le leader. La légitimité du gouvernement. Et là, on vient d'avoir des votes. Donc, ça peut être bien de réformer mon gouvernement. On peut le faire sans trop radicaliser les gens. Si vous le faites... Vous voyez, on a perdu des radicaux à un moment donné. À mon avis, c'est quand j'ai... Peut-être quand j'ai fait baisser le prix du papier et des meubles. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ou quand j'ai pris un choix qui a fait plaisir à l'un ou l'autre. Garde ta voix. Alors je risque d'oublier de rechanger le filtre et de garder ma voix. L'autre voix. Alors vous me le dites, hein. Vous me le dites, faites pas les pourris. Hein. Donc, est-ce que... Oui, on peut réformer. Si on le fait pas après une élection, on se prend beaucoup de radicalisme, il faut pas le faire. Il vaut mieux pas le faire. Donc on va aller dans le gouvernement, parce que là c'est finalement le résumé du reste. Les loyalistes, c'est l'inverse des radicaux. Eux, ils sont fidèles à la nation. Ils vont donner un boost de l'approbation des groupes d'intérêt auxquels ils appartiennent, alors que les radicaux, bah, c'est l'inverse, ils sont pénibles. Mais on n'a pas trop de radicaux encore. Alors, parti catholique, il est constitué de groupes d'intérêt. Église catholique, petite bourgeoisie. Le parti libéral, c'est l'élite intellectuelle. Pour l'instant, c'est eux qui sont au pouvoir. Nous, on va réformer. Parce que la légitimité n'est pas géniale et parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie que les industriels soient au pouvoir parce qu'ils vont m'aider à faire passer des lois qui boostent l'industrie, je pense.
Et puis, parce qu'ils ont une force politique qui est quand même forte. C'est le résultat, notamment, je pense, des élections, je suppose. Donc si je les ajoute, je perds de la légitimité. Alors pourquoi? On peut regarder ici. Hein. Principalement, c'est à cause de la taille du gouvernement. Vous ne pouvez pas fourrer tout le monde dedans. Ce serait trop facile. Vous allez être un petit peu limité. Alors, donc, je pourrais essayer de virer le parti catholique avec la petite bourgeoisie et garder l'élite intellectuelle. C'est ce que j'aimerais le mieux. On arrive à 66%. On gagne un peu de légitimité. Maintenant, on perd de la taille du gouvernement, peut-être parce qu'il est trop petit, là. On peut essayer de mettre l'armée avec. Non, là, c'est peut-être qu'il était encore trop grand. Si j'enlève le parti libéral, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, là, c'est trop petit. Non, on peut mettre moins de personnes, c'est pas un problème. Ok. Donc, on va mettre ça. Les industriels et l'élite intellectuelle, ce sera très bien. Je crois que je peux pas faire beaucoup mieux. Je pourrais mettre... Non, franchement, ça sert à rien de rajouter des gens. On est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que ça va changer de votre gouvernement? Bah, plein de choses. Mais la légitimité, plus elle est haute, plus les tentatives pour faire passer une nouvelle loi vont arriver vite. Je vais vous montrer, on va choisir une nouvelle loi. Donc ça, c'est les différents types de secteurs dans lesquels vous allez pouvoir changer la loi. Par exemple, si je veux coloniser, il faut qu'on ait des affaires coloniales. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc je peux tenter de faire passer la loi exploitation coloniale pour aller exploiter assez sauvagement des pays décentralisés. J'ai 42% de chance que ça passe, ce qui est pas mal. Maintenant, si on ne sait pas quoi faire, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le gouvernement, d'aller voir loi avec le soutien du gouvernement en cours. Et là, ça va être trié par chance de promulgation. Alors malheureusement, c'est trié dans le sens inverse que ce que je souhaiterais. On peut aller voir qu'au maximum, c'est 42% pour ces lois-là. Je peux demander la séparation entre clergé et État, ce qui me paraît être une bonne chose. Demander la colonisation. Mais alors, exploitation coloniale, ils veulent vraiment exploiter. Donc ça, c'est assez dur. Ou alors passer aux écoles privées. Pour l'instant, on est en école religieuse. Bon, faut connaître le jeu pour être vraiment, j'imagine, au top avec ces choix-là. On va essayer d'en lancer une. Si vous avez une idée, dites-moi. Pendant ce temps-là, je lis le chat. J'ai l'impression qu'une partie se passe très vite. Tu es ironique, là, en fait. On a à peine commencé, on n'avance pas pour le moment. Une partie se passe très vite. Je pense pas qu'une partie se passe très très vite. Non, non. Il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps pour optimiser. On joue jusqu'en 1936. Hein. C'est 100 ans la durée du jeu, je pense. Le changement de voix vous plaît? Ok, cool. C'est vraiment flippant cette voix, mais non. On dirait la voix de Koinsky avec de l'autotune. T'exagères un peu. Les cathos sont très cultivés. D'ailleurs, c'est un prêtre catholique belge qui est à l'origine de la thèse du... Oh, Big Bang, vraiment. Alors, on me dit colonisation, on me dit exploitation coloniale. On pourrait faire des votes aussi. Hein. On peut le faire hein, maintenant sur YouTube. Là, c'est un peu tard, mais pour la prochaine fois, on le fera peut-être. Séparation des pouvoirs écoles privées. On va tenter l'exploitation coloniale, comme ça on vous montrera comment ça fonctionne. C'est parti. Donc là, on va essayer de passer là-dessus. Alors, c'est ce que je vous disais. Les industriels, ça leur plaît bien. Bah oui, eux, ils voient toutes les ressources minières, évidemment. Leurs yeux font des tourniquets. L'élite intellectuelle, j'imagine qu'ils pensent que c'est pour apporter la civilisation. Les forces armées, bon, on se pose pas la question. Et les ruraux, bah eux, ils sont contraires à ça. Hein. Non, chez nous, c'est chez nous et on n'ira pas ailleurs. Donc ça va les rendre pas contents. Vous voyez qu'ici, la promulgation d'exploitation coloniale s'est mise. Là, vous avez un compteur, en fait. Et la vitesse d'avancée du compteur, elle dépend de l'approbation du gouvernement. De la légitimité. Plus vous êtes légitime, plus vous allez passer des lois vite. Avec plus de chances de succès, peut-être aussi.
mais là, le succès vient principalement du soutien des groupes d'intérêt. J'ai deux groupes d'intérêt qui soutiennent. Vous devez avoir au moins un groupe d'intérêt dans votre gouvernement qui soutient une loi pour pouvoir essayer de la faire passer. Ok, bon, bah on avance bien dans les explications, en tout cas, pas tellement dans le jeu, mais c'est pas tellement grave. On va attendre la fin des constructions et puis on va relancer des productions. Alors vous voyez que là, je perds un peu d'argent. Principalement à cause de la construction. C'est vraiment le plus gros secteur. En général, il va rester le plus gros secteur assez longtemps. La prochaine fois, fais la séparation totale. Ben, ça dépend de qui est au gouvernement, Rachid. Ça dépend de qui est au gouvernement, mais on pourra le faire. En règle générale, j'aime bien essayer de faire passer des lois qui ont des bonnes chances de passer. Je vous montre un petit peu les succès, en fait. Vous allez avoir 41% de chances de succès, mais vous pouvez aussi avoir simplement de l'avancement, ou alors un débat politique qui va aller dans un sens ou l'autre, ou alors elle peut être carrément bloquée. Donc l'avancement est bloqué. Là, c'est soit de succès, soit avancement, donc logiquement, c'est une loi qui ne devrait pas avoir trop de problèmes à passer. On a le temps, en tout cas, avant que ça arrive, un petit peu. Alors, peux-tu annexer... Ouh là là, comment on me parle, là? Réponds, mais dis donc. Dis donc, on est un état cultivé, ici, monsieur. Réponds, point d'exclamation. Attendez, où est mon ban? Alors, on va faire temporaire. Tu reviendras tout à l'heure. La musique est très jolie et discrète comme il faut. La musique est vraiment chouette, hein. C'est vraiment cool. Elle se fait tranquillement oublier, mais quand on se prend à l'écouter un petit peu comme ça sans y penser, elle est vraiment très jolie, la musique. Tim Bien, salut, comment vas-tu? Ouais, parce que en fait, quand je joue, je regarde un peu l'écran, les amis. Hein. Pensez bien, je peux pas jouer en lisant le chat, c'est pas possible. Donc je vais de l'un à l'autre, mais ça peut arriver que je loupe des gens. 42%, ça semble faible. Dans le jeu, c'est beaucoup, hein. Et il faut se dire aussi à Brassax qu'en fait les 42% c'est une première étape, mais tu peux avoir des avancées en fait. Donc au début t'es à 25, puis t'avances, t'as un événement qui te donne 35, etc, etc, et finalement tu finis par y arriver quoi. C'est juste que ça prend des fois des années, hein, de faire passer une loi. Il a été révélé que Barthélemy Deuteux de Mélande, encore lui, qu'est-ce qu'il a? Des catholiques? Il n'arrête pas en ce moment. A eu une liaison secrète avec un membre du clergé. Sa démission est demandée. Le fait même que cet homme sournois ait pensé qu'il pouvait s'en tirer avec un tel abus de pouvoir montre tout ce qui ne va pas avec la direction de l'Église catholique. Oui, ça ne va pas du tout. Au moins, c'était avec un autre homme. Hein. Ah ben. Alors, le peuple doit savoir. Moins 50 en popularité, ça me paraît... Oui, on va tout déballer. Hein. Bien sûr. On déballe tout. Évidemment. Alors, on surveille toujours ici. La route commerciale, pour l'instant, on s'en tape un petit peu. On va y venir après. Pénurie de bois dur. Alors, peut-être on pourrait quand même regarder ça. Il y a des moments où vous serez déjà tellement en train de construire que vous ne pourrez pas lancer des bâtiments tout de suite pour circonvenir à un manque de ressources. Donc, c'est bien de pouvoir importer. Donc, on va regarder le commerce. Et on va essayer d'importer un petit peu ce qui nous manque. Du bois dur, on pourrait se dire qu'on pourrait importer du papier, des outils ou du fer. Outils et fer, certainement pas, je vais les produire moi-même. Papier, on pourrait les importer. Mais on produit également du bois, donc du papier également. Je pense qu'on devrait pas essayer d'importer. Mais pour le fun, on va importer le bois dur. Donc là, vous allez sur route commerciale d'importation. Vous choisissez ce que vous voulez, bois dur. Et vous avez sur la carte directement toutes les possibilités avec les productivités liées. Gizmo a eu peur de ma voix, mais faut pas avoir peur les amis. La grande stratégie de gestion, il n'y a aucun souci dans le titre. Faut juste le capter, mais c'est vrai que j'aurais pu dire le jeu de grande stratégie de gestion, mais j'ai voulu faire plus court. Donc, le marché duquel vous allez importer, à partir duquel vous allez importer, le niveau prévu d'importation, alors ça c'est... C'est dur à expliquer, je suis pas sûr de moi-même de le comprendre, mais plus le niveau est élevé, plus vous allez importer beaucoup, en fait.
Et ça dépend de la belle opportunité que les commerçants vont voir à importer là. Sans doute à cause des prix différents, de la différence de prix. Il y a peut-être d'autres choses, je sais pas trop, je me suis pas encore penché vraiment en détail là-dessus. Mais plus un marché est productif, plus le niveau globalement a une chance d'être élevé, et plus vous allez importer beaucoup, et plus ça va vous rapporter. En fait, importer rapporte. Pourquoi ça rapporte à l'État ? Parce que vous avez des taxes. Et donc ces taxes, normalement, elles vont aller dans vos poches. Vous remplissez également votre marché avec la ressource qui lui manquait. Donc globalement, c'est tout bénef de faire des importations ou des exportations. Le seul truc, c'est qu'il faut assez de convois. Là, il m'en faut 81. La Russie, c'est loin. Et il faut de la bureaucratie. D'accord ? Donc il me faut 15. Là, j'ai 45, ça va. Maintenant, si je vais en France, c'est moins loin. Donc il ne faut pas de convois parce que c'est juste à côté. Ça va venir par la route, par exemple. Et on gagne quand même 45. Moi, ça me paraît mieux. On va prendre du français. On va prendre du britannique. Alors le britannique, il me coûte rien. Et je pense que c'est parce qu'on a un accord commercial avec eux. Probablement. On va les vérifier. Parce que ça, c'est très important. Est-ce que le dirigeant a de l'influence sur le jeu ? Ça a de l'influence, oui, via ses traits un peu particuliers, mais j'en ai déjà parlé. Tu peux avoir des bonus ou des malus. Mais ils n'ont pas une grosse personnalité comme dans un Crusader King, c'est pas tellement le propos du jeu. Alors attendez. Grande-Bretagne. Diplomatie. Accord commercial, voilà. Donc l'accord commercial, il est très très utile. Il vous permet de ne pas payer en bureaucratie les routes commerciales. Vous payez pas 15, vous payez 0. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que je dois privilégier la Grande-Bretagne pour mes échanges. Si je peux, c'est mieux. D'accord ? Ok. Alors il manque du papier, des outils, du fer. On peut peut-être regarder si on a, au niveau du papier en tout cas. On en a sur le marché britannique 15. La productivité va vraiment pas être folle, mais ça me coûte rien, donc pourquoi pas. Ça coûte un petit peu de convoi quand même pour traverser la Manche, mais c'est pas énorme. Insuffisance bureaucratique, je trouve que ça va. Ne m'embête pas. Tout est bon. Est-ce que le jeu a beaucoup de bugs ? Honnêtement, j'ai joué 20 heures sur le jeu pour le moment et j'ai pas remarqué des bugs. Après, il y a sûrement des bugs, mais que j'ai pas vu parce que c'est peut-être des bugs de comptage, des trucs comme ça, mais des crashs ou des trucs qui marchaient pas ou quoi, j'ai pas vu. Maintenant, le jeu, il va continuer à être débloqué, à être développé après la sortie. Ça reste un jeu Paradox qui est suivi a priori longtemps, surtout Victoria 3 qui était fort attendu. Il va y avoir beaucoup de patchs qui vont sortir après. Le marché international comprend le marché terrestre et naval. C'est un unique en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est juste que quand tu t'en vas loin et par la mer, ça coûte des convois. Qui est une ressource dans le jeu. Est-ce qu'il y a un wiki intégré dans le jeu ? Oui, je peux vous le montrer si tu veux, Étienne. Tu as concept du jeu, où tu as même toutes les pages ici. C'est mis comme ça à la suite. Pas forcément le plus pratique pour trouver, mais tu peux rechercher. Donc, par exemple, si je recherche infamie, par hasard, par exemple, au pif, voilà, tu tombes sur le concept d'infamie et tu peux voir tous les tooltips que tu verrais également dans le jeu toi-même, d'ailleurs, en passant sur les... en lançant les infobulles. Donc c'est quand même assez bien foutu. Ok, les ruraux commencent déjà à être ennuyeux. Regardez, j'ai pas eu d'alerte vraiment, mais on le voit ici. Ils ont créé un mouvement politique. Un mouvement politique qui vise à la préservation de aucune affaire coloniale. Il n'y a que dedans. Ils sont tout seuls. Ils ont un soutien moyen et un radicalisme qui est bas. Je sais pas trop ce qu'on peut faire pour contrer des mouvements politiques, malheureusement. J'imagine qu'au bout d'un moment, ils s'essoufflent. Donc on va les laisser parler dans leur coin, au bistrot du coin, après avoir été à l'église. Et voilà. On va pas trop s'en soucier. Par contre, clairement, ça les rend encore moins heureux, je pense, ce groupe-là. Mais bon, ils sont malheureux. Voilà, changement de loi va radicaliser les ruraux. Ça va créer plus de radicaux parmi les ruraux parce qu'ils désapprouvent, ils veulent pas. Mais bon,
Alors on peut plus rien faire. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas ce qu'on veut faire de toute façon. Donc au bout d'un moment, on passe outre. Alors je sais pas comment fonctionne le système de dynastie et tout dans le jeu. Est-ce que c'est historique? Est-ce que le leader va être changé au moment historique où il est censé passer l'arme à gauche? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vous avoue que dans la vraie vie, je ne sais plus quand Léopold I est mort. Je n'en ai aucune idée. Alors là, les chances de passer la loi ont un petit peu baissé. Dommage. On va seulement faire notre usine de papier. Ce qui devrait régler le problème du papier, j'espère. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre ce genre de choses. On peut aussi aller voir s'il y a des problèmes de rentabilité. Donc on voit que mes usines chimiques ont un gros problème. C'est qu'elles produisent pas bien. Alors pourquoi? Il y a des postes vacants. Capitaliste, ingénieur. Alors est-ce que c'est parce qu'on en manque dans le pays? Je pense pas. Genre les ouvriers, on en a. C'est plutôt qu'ils sont partis parce qu'ils sont trop mal payés. Donc si on arrive à remonter la productivité, on peut les faire revenir. Alors pourquoi ça marche pas? Soit les biens entrants sont trop chers, soit les biens sortants sont pas assez chers, soit un mix des deux. Donc le soufre, on a un petit déficit, mais ça va. Le fer est encore trop cher. Le charbon, ça va. L'engrais n'est vraiment pas cher. Donc ça, vous voyez, ordre de vente. On veut en vendre beaucoup plus que ce qu'on veut nous en acheter. Donc, il y a un souci. On produit éventuellement trop. Ou alors on pourrait exporter pour en vendre plus. On va essayer de faire ça. On est à un prix de combien? 19,8. Vous voyez que le prix récemment, il s'est cassé la gueule. Hein, je sais pas pourquoi. On produit également des explosifs dans cette usine chimique. Mais là, c'est à l'équilibre et donc, je pense que c'est pas un problème. Donc on va essayer d'exporter l'engrais et de produire un peu plus de fer. Ok. Exportation. Si on peut exporter en Angleterre, c'est tout bénef. Alors on peut exporter aux Français, ils en veulent. Ils veulent de l'engrais pour leurs champs. Ça c'est pas mal, on peut en exporter 37, ça va faire remonter le prix. Attention que ça coûte 15, hein. Donc ça commence à baisser là au niveau bureaucratique, faut faire attention. Est-ce que tu peux changer le gouvernement? Oui tout à fait, tu peux passer en autocratie, je pense, oui, je pense que tu peux le faire. On va laisser passer un tout petit peu de temps. Disons la semaine pour être sûr que les prix soient adaptés. Ok. Et on va aller voir un petit peu comment ça tourne. Ça tourne mieux. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir réembaucher, faire des réserves de liquidité. Ça devrait monter le chiffre ici, normalement. J'espère. Et vendre à un prix maintenant qui est bien bien remonté. Ah oui, parce qu'on a créé une rareté dans le marché belge. Vu qu'on exporte une partie, il y en a moins pour le marché belge, le prix augmente sur le marché belge. J'adore le système de ce jeu, c'est vraiment bien fichu et je suis encore seulement en train d'égratigner la surface, mais c'est vraiment très plaisant. Alors on voit que sur le marché belge là, on a vraiment encore besoin de beaucoup plus de fer, donc on va directement produire plus de fer. Et en fait on en manque tellement qu'on devrait faire une recherche technologique qui nous permet de booster notre production sans faire de niveau supplémentaire. Au bout d'un moment, il faut aussi regarder ça, je pense. C'est une ressource industrielle. On est à moins 105. Il nous en faut toujours plus. Donc on va aller en faire. On peut passer par ici aussi, hein. C'est juste qu'il faut que j'y pense. Vous avez production, ressources, fer. Et là on peut monter. Il y en a. Alors des ressources, il n'y en a pas. Il n'y en a que en Wallonie. Pour la Belgique. On peut aller voir où il y en a partout dans le monde. C'est pas sur cet écran-ci, mais on peut le faire. Je vais vous montrer après. On va reprendre un niveau. Je vais aller voir le fer. Après, je vous lis un peu dans le chat. Et on peut afficher les potentialités. Vous voyez? Là, vous allez voir les potentialités. Où est-ce qu'il y a du fer dans le sol?
On voit qu'il y en a relativement partout, hein, donc c'est pas vraiment une ressource qui va être spécialement rare. Je pense que le charbon va être un peu plus rare, probablement. Oui, un petit peu. Vous avez les productions actuelles et les consommations. On peut voir un peu les pays qui sont les plus consommateurs. Bah, globalement, ça va être les pays vachement urbanisés et industrialisés, comme la Grande-Bretagne qui l'est déjà fortement dès le début du jeu. C'est la nation la plus puissante au début. Hein. Ils ont également plein de colonies et tout ça, bien sûr. Ok. Alors, si jamais vous voulez précommander le jeu, c'est pour vous, hein, moi. Il y a 10% sur... Enfin, c'est pour vous et pour moi aussi parce que je suis affilié, mais chez mon partenaire Gamesplanet, j'ai oublié de vous en parler, il y a 10%. Donc, il y a quand même une réduction assez sympa de 10% sur la précommande du jeu. Ça fait quand même quelques euros en moins sur le jeu. Je vous mets le lien dans la description de live si jamais vous voulez. Si ça vous intéresse. Ok, la papeterie, on termine. Et après, vous voyez, en queue s'est mis la production de fer. Quand mon industrie de construction est au max, pour l'instant, voilà, je suis plus ou moins à l'équilibre, donc c'est pas mal. On pourrait prendre encore un niveau, mais ça nous mettrait sans doute en négatif quand on produit, quand on construit, donc c'est pas forcément... Peut-être qu'après, je vais faire un niveau de construction pour aller un peu plus vite. Comment est-ce que tu augmentes la bureaucratie? Alors, très bonne question. On n'est pas tant que ça en avance, on pourrait le faire, mais je vais attendre encore un petit peu. C'est un bâtiment comme un autre, un niveau de bâtiment urbain. Et c'est l'administration gouvernementale, tout simplement. Tu as également différentes méthodes qui permettent d'augmenter la production de points de bureaucratie en fonction de l'état... comment dire de... Oh, on a déjà débloqué ça. Attendez, clergé administratif, administration laïque. Ça, on pourrait faire, par exemple. On aura moins de religieux employés, plus de bureaucrates. Mais est-ce qu'on va produire plus? J'ai pas l'impression. Attendez. On va vérifier. Je suis à plus 65. Voilà, ça change rien. Ce serait indiqué ici, hein, de toute façon. Donc pour l'instant, on va les laisser dans leur pénate. On s'occupera d'eux plus tard. Et voilà, nous avons maintenant l'exploitation coloniale. Ce qui veut dire que c'est pas tellement bien pour les colonies, parce que ça va réduire leur production de subsistance. Ben on va les un peu les saigner à blanc dans ce cas-là. Hein. C'est pas tellement bien, on pourra changer plus tard, je pense. Moins de salaire de départ. Donc en fait, quand vous allez coloniser, la colonie devient un état non incorporé. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la France ou la Belgique, c'est vraiment une colonie à part, qu'on contrôle, mais on n'a pas spécialement de taxation dessus, on n'a pas toutes les options dessus, c'est pas vraiment chez nous. Où sont les frites? Réponds maintenant. Oui, c'était bien, c'est bien. Au niveau de la loi, tu as la liberté si tu as le soutien du peuple et des groupes d'intérêt. Si tu n'as pas leur soutien, tu n'y arrives pas, en fait. Tu dois essayer de jouer pour que ce soit les groupes d'intérêt qui t'intéressent, qui soient au pouvoir, pour te permettre de faire passer les lois qui t'intéressent. Alors, ok. Donc ça va débloquer le plus important. C'est que ça va me débloquer... l'exploitation, l'institution affaires coloniales. Alors du coup, comme ça, je vais vous expliquer les institutions. Ça se trouve ici. Donc, les institutions, c'est des grands domaines gouvernementaux dans lesquels vous allez investir. Ça peut être la police, l'éducation, les affaires coloniales, plein de choses. J'avais déjà l'éducation qui me donnait plus 20% d'accès à l'éducation pour augmenter mon alphabétisation, etc. Plus 40% en conversion, ça c'est l'assimilation, je pense, au niveau religieux. Plus 20% de force politique de l'église catholique. Pas bien ça. À mon avis, ça change en fonction de certaines orientations. Après, ça doit changer sans doute aussi. À mon avis, c'est parce qu'on a, on n'a pas les écoles privées. L'éducation, pour l'instant, est gérée... On peut aller voir, tiens. Voilà, c'est école religieuse. C'est pour ça que dans l'institution, il y a plus de 20% de force politique. On va changer ça après. Affaires coloniales, voilà. Plus 0,10 en génération de croissance coloniale. On pourrait passer au niveau suivant. Tout ça coûte des points de bureaucratie. Hein. Donc quand vous montez les niveaux, ça augmente les coûts en bureaucratie. Donc pour l'instant, on va pas toucher. Par contre, on va peut-être dégager...
On peut passer école privée, ça s'appelait bien Angeance. C'est un début, je dirais. On va pas perdre grand-chose par rapport à là. Hein. Alors, on va perdre quand même les 20% d'accès à l'éducation. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très bien. Je préférerais école publique directement. Mais j'ai que 13%, donc pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est l'élite intellectuelle et les syndicats de travailleurs qui sont favorables. Donc pour l'instant, je pense que ça va être quand même un peu complexe. L'avantage des religieux, c'est qu'ils éduquent tout le monde. On va regarder ça comme ça. Alors, depuis que je suis au courant de la sortie du jeu, une idée m'obsède, les frontières naturelles. Donc s'il te plaît, réponds à ma question. Bravo Alexandre pour ta politesse. Est-ce qu'il est possible d'annexer le sud du Rhin avec la Belgique? Ouh là là, dis donc. Déjà, faut que je trouve où c'est. Et je suis nul en géographie. Rhénanie, c'est ça qui t'intéresse? Peut-être un petit peu plus... Rhénanie bavarois, pas trop ce qui t'intéresse. Mais en fait, tu peux annexer n'importe quel... Je vais répondre oui directement, parce que tu peux annexer n'importe quel... Si je veux, je peux faire une guerre. Bon, je pourrais pas forcément le faire maintenant. Mais en Rhénanie du Nord-Westphalie, je peux venir conquérir État. Et si je fais ça, je lance un coup diplomatique de conquête. Si je bats le pays concerné, j'obtiendrai ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la conquête de l'État. Et effectivement, ça deviendra un État non incorporé au début, je pourrai l'incorporer après. Donc la réponse est oui. Ah, j'ai trouvé directement le Rhin Sud, je suis fier de moi. Ok. Ah, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. On continue. Est-ce qu'on ferait pas passer notre loi tant qu'on y est, hein? On va regarder s'il y a un truc qui nous intéresse tant qu'on a ce gouvernement-là. Donc on va aller ici. J'avais un objectif qui me demandait le suffrage censitaire ou universel, mais il n'y a que l'élite intellectuelle qui soutient, donc pour l'instant c'est compliqué. Ils sont pas assez forts. Ok. Alors la séparation du clergé et de l'État, par contre ça m'intéresse bien, je pense. Je crois que ça va être bien. On va le faire. J'ai aucune idée si c'est bien ou pas bien en fait. Mais je sens que c'est bien. Bon, on a débloqué la colonisation. Est-ce que ça veut dire qu'on va le faire tout de suite? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être faire un vote. Annexe les Pays-Bas et Luxembourg. Ouais, mais pas maintenant. Attends, on vient de commencer. Je suis pas du tout prêt en fait à faire... Je pourrais, hein, mais... On va regarder ça pour un peu plus tard. Un peu plus tard dans la soirée, on va le faire. On sauvera avant, alors, parce que quand même, c'est vraiment très, très dangereux de le faire. Donc, maintenant, je peux venir... Dans quoi? Dans diplomatie. Alors, j'ai zéro opportunité. Ça veut dire que je peux coloniser nulle part pour le moment. On peut regarder pourquoi. Au niveau... de la zone Congo. Il y a le Gabon ici. On doit avoir un intérêt. Ok. On n'a pas parlé encore des intérêts. Et il faut également la quinine. Et on n'a pas encore eu la technologie là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore? Ça prend des plombes. On va améliorer notre université après, je pense aussi. Franchement, je le ferai bien maintenant. On a quand même du pognon. Si je vais dans urbain... hop. Où est-ce qu'il est? Où est mon université? J'en ai pas finalement? On n'est pas dans l'urbain? Centre urbain? Ah, c'est plus bas. Donc c'est que en Flandre, bon. On va quand même continuer là. Je vais l'agrandir en espérant qu'elle coûte pas trop cher. Elle coûte du papier, ça on s'en fiche, c'est bon. Et elle me coûte 2000 quand même. C'est moi qui paye tout? Je crois que c'est dans les salaires gouvernementaux. Ouais. 1900 pour les salaires de l'université. Donc si je monte au niveau 3, on va payer un peu plus cher, mais j'ai quand même envie de le tenter.
Ok. Alors on va quand même surveiller ça, parce que de temps en temps c'est possible quelque chose qui se libère. La quinine, donc on verra. En fait la quinine, c'est à cause de ça. Si vous avez un modificateur de paludisme grave, vous ne pouvez pas y aller tant que vous n'avez pas inventé la quinine. Mais il y a des endroits où il y a moins de paludisme. C'est juste que, malheureusement, de toute façon, je n'ai pas l'intérêt. Donc on va poser l'intérêt. Ça se passe comment? Ça se passe ici au niveau de la diplomatie. Oh purée, je suis descendu à 17ème. Quelle injustice. Donc j'ai de l'intérêt pour le Rhin et l'Ibérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la région Rhin et Ibérie, ça s'élimine un petit peu quand on passe dessus, vous voyez? Hop. Ibérie, c'est le Portugal et l'Espagne. Rhin, c'est Belgique, Pays-Bas, un morceau de l'Allemagne, un morceau de la France. Je peux interagir diplomatiquement avec les pays qui sont dedans. Eux peuvent interagir avec moi, parce que j'ai un intérêt sur cette région-là. On peut interagir également avec les voisins. Mais c'est tout. Ça veut dire que je peux pas faire de diplomatie avec le Japon pour le moment. Je peux pas faire de diplomatie aux colonisés dans le Congo. Je dois d'abord déclarer un intérêt. Le truc, c'est que pour l'instant, je suis à un maximum de 1, en plus de la région que j'habite, donc le Rhin, c'est normal, ça je l'ai d'office. Donc je dois enlever Ibérie. Je peux le faire, je m'en fiche, moi, du Portugal et de l'Espagne. Et on va mettre le Congo à la place. Ça prend un petit peu de temps, et après on pourra aller coloniser une région où il n'y a pas du paludisme trop fort. Sinon on va tous mourir. On va faire souffrance. On va éviter. Alors je live jusqu'à quelle heure, je sais pas trop, jusqu'au moment où je suis fatigué. Je comptais faire un live de 2 heures minimum, mais ce sera sans doute plus. Est-ce que tu vas faire cette aventure que en live ou tu vas la faire en vidéo? Alors déjà, la vidéo, le live va rester en vidéo sur YouTube. Comme épisode 1 dans Let's Play, donc je vais continuer. Soit tu auras un deuxième live demain, et j'ai le droit de poster des vidéos à partir de demain 18h. Donc il y aura éventuellement sinon une vidéo demain à 18h comme épisode 2. Ok, je pense qu'on est pas mal au niveau des explications sur le jeu, là. On a déjà couvert beaucoup de choses. Hein. On va avancer un peu. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, vous avez des petites annonces. Hein. Par exemple, vous voyez mensuellement les prix qui ont augmenté ou baissé. Alors, vous avez une petite indication. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir dans le tableau de bord. Pourquoi est-ce qu'il ne me le met pas? Ou ici, afficher marché belge. Et là, vous avez directement les biens qui sont les 3 biens les plus chers, les plus trop chers par rapport au prix du marché. Et les 3 biens qui sont vraiment bon marché par rapport au prix du marché. Alors, par exemple, regardez, les spiritueux sont pas chers. Alors, moi, je dis, je vais les taxer. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Et parce que les groupes sociaux qui vont les utiliser, à mon avis, c'est plutôt les riches, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas un bien de consommation hyper utile. Donc je peux venir sur spiritueux et demander un impôt sur la consommation qui va me générer, tenez-vous bien, 3600 de recettes. C'est beaucoup, hein. Ça me coûte de l'autorité, mais j'en ai plein. Boum. Donc un moyen de gagner du pognon au début. Je ne l'ai pas fait parce que je peux pas tout expliquer en même temps. Mais clairement, c'est ça. Si vous voyez des trucs qui sont à la fois pas chers et un petit peu superflus, vous allez dans ressources de luxe par exemple, vous regardez un petit peu, on a un solde positif, un prix du marché bas, bah pourquoi pas taxer le sucre par exemple. Après le sucre, on va s'en servir quand même pas mal, c'est pas un bien final. Donc taxer trop, j'aime pas trop, peut-être. On va laisser pour l'instant uniquement les spiritueux. Anton, salut, bienvenue. Guillaume, bienvenue. Est-ce que les villes secondaires sur la map sont amenées à évoluer aussi? Les villes sont là, je pense, pour la déco. Les villes sont là, je pense, pour la déco. En fait, c'est la région qui compte. Donc, en Hollande, tu n'as pas... Allez, hop. Voilà, tu as Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, mais tu ne sais pas cliquer dessus. Et en fait, c'est la région de Hollande. Tu vois, c'est pas... Je ne pense pas que les villes soient représentées quelque part dans le jeu autrement que visuellement. Ce serait trop de micro-gestion, je pense, et je pense que le découpage en région est vraiment bien.
Ça reste un jeu qui se joue au niveau mondial, hein. Tu penses bien, si on commence à pouvoir gérer les chaque ville. Déjà, quand vous êtes en France, bon courage. Si vous faites une première partie avec la France, bah quand même, ça fait beaucoup à gérer. Même si, de toute façon, on ne pourrait pas produire tout en même temps. S'il y avait chaque ville, ce serait fou, quoi. Alors, le PIB, il a combien ? Il est, on est monté un petit peu là, depuis le début. On est à 8 millions 2. Et on est 14e mondial, ce qui me paraît pas trop mal. PIB par habitant, on est 9e. On est relativement content. Voilà. Alors, voilà, en bureaucratie, on n'est plus trop bien. Donc, prochain bâtiment, je sais déjà que je vais faire une administration gouvernementale. On va la taper en Wallonie pour équilibrer un peu, peut-être. Et on avance. Avec plaisir, Guillaume, il n'y a pas de souci. Ça donne quoi en Suisse? Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. On peut aller voir si tu veux, rapidement. Tu as la Suisse occidentale et orientale. Apparemment, il y a ces deux morceaux-là. Avec le modificateur Alpes. Moins d'infrastructures, ouais, plus de difficultés pour les échanges. Rhin, plus d'infrastructures. Fait moins 15, plus 20, ça fait plus 5%. Ok. Alors, elle sert à quoi l'infrastructure, tiens, tant qu'on y est. Elle est là. En fait, il faut toujours être en positif, c'est-à-dire ne pas tout utiliser. Si vous utilisez plus que le maximum, vous allez baisser vos capacités d'échange. Et donc, vous ne pourrez pas vendre tout ce que vous produisez et vous ne pourrez pas acheter tout ce que vous voulez acheter. Ça va réduire drastiquement votre économie. Dorel, Solayu, comment vas-tu ? Il y a un arbre grave des produits et leur utilisation. Alors, tu n'as pas un graphique ou un arbre vraiment. Tu as... Bah, prenons par exemple les spiritueux, je me demandais. Tu as les usages, en fait. Donc, tu as quand même, oui, un graphique si tu veux... Une petite infographie ici avec les différentes productions possibles et combien nous on en a. On a deux industries alimentaires. On pourrait avoir du seigle qui produit également des spiritueux. C'est produit également par les fermes de subsistance. Alors c'est quoi les fermes de subsistance? C'est tous les gens qui n'ont pas de boulot, ils vont faire ça. Ils vont créer leur petit jardin ou leur petite ferme si jamais ils ont de la propriété. Et ils vont produire un petit peu de tout quoi. Un petit peu de spiritueux, hein, la petite prune du grand-père. Un peu de tissu, un peu de bois, un peu de meubles, les services, etc. Donc ils vont participer un petit peu à l'économie, mais c'est a priori négligeable et pas souhaitable d'avoir ça plutôt qu'autre chose. Mais au moins, ils font pas rien. Également des vergers et pâturages. Voilà, ça produit différentes méthodes, produisent les spiritueux, et vous avez les utilisations. Bah, globalement, c'est pas par l'économie, c'est les groupes sociaux, de tous les niveaux de richesse apparemment. Pour besoin stupéfiant. Bon. C'est le jeu Paradox avec l'économie la plus complète. Bah oui, je dirais oui très certainement, vu que c'est vraiment le jeu qui se base dessus. C'est le jeu qui est basé sur les productions, les ressources et les populations. C'est vraiment les deux facteurs principaux du jeu, avec la diplomatie à côté, les guerres, etc. Mais globalement, quand même, la plupart des choses que tu vas faire pendant que tu joues, c'est gérer ton économie. Tu peux le faire dans le but d'être plus puissant pour attaquer ton voisin, mais tu ne pourras pas couper de passer par une gestion économique assez poussée. T'es obligé. Alors je vois qu'on gagne pas mal d'argent maintenant, même si, sans doute grâce également à la taxe des spiritueux d'ailleurs, on pousse tout le monde à devenir... Non, on les empêche de devenir alcoolo en taxant. Donc peut-être qu'après, on va booster un petit peu notre production pour pouvoir construire plus en même temps. Prométhée, salut, merci beaucoup d'être venu, c'est très gentil de t'être occupé de la modération. J'ai vu qu'il y avait eu du boulot en plus un petit peu. Donc grand merci à toi, je te souhaite une bonne soirée. Pourquoi tu n'as pas fini ta partie de Stellaris? Tiens, tiens, drôle de question. Mais pourquoi pas, surtout après tout ce temps. Stellaris, c'est un jeu qui a tendance un petit peu à m'endormir, malheureusement. Je n'ai jamais réussi à accrocher très très longtemps. Donc, maintenant, il s'est quand même amélioré depuis que la dernière fois que j'ai essayé. Mais justement, au niveau gestion des ressources et économie, je trouvais que c'était quand même pas ce que j'attendais, moi. C'est pas le but du jeu, simplement.
Et donc, voilà, c'est pas un jeu... J'ai juste pas... C'est pas un jeu pour moi, quoi. C'est sûrement un excellent jeu. Et puis, c'est également un jeu qui est très très lent. Et qui a pas trop marché sur la chaîne. C'est sans doute une raison secondaire qui m'a fait arrêter le let's play. Est-ce qu'il y a toujours les influences ? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Peut-être que je suis pas au courant. On va accélérer un petit peu pour terminer ce qu'on est en train de faire. Donc les politiciens, eux, meurent de temps en temps. Ils prennent leur retraite. Il y a les rivalités aussi. Nous, on est rivaux avec les Pays-Bas. Donc ça veut, la rivalité, ça vous fait monter votre autorité. Donc si vous avez besoin d'autorité, vous pouvez dire, bah moi je suis... je pense en tout cas. Ou c'est la diplomatie que ça fait monter ? Mais non, c'est les points diplomatiques. Ok. Alors. On avance. Si vous avez des idées de show... Alors, il y a un deuxième mouvement politique. Préserver la liberté de conscience. Bah oui, du coup, c'est les religieux. Ils veulent pas la séparation de l'Église et du gouvernement. Bon. C'est quasiment systématique, ça. Hein. Quand un groupe aime pas, bah, il va créer un mouvement. Il va créer du radicalisme. Purée, j'ai 152 000 radicaux, quand même. Sur 4 millions, c'est pas bon. Hein. Pour empêcher le radicalisme, il faut essayer d'avoir un bon niveau de vie, je pense. Mais je ne sais pas si on peut faire autre chose. Alors, recherche. Une technique visant à produire de l'acier en grande quantité à partir de fonte brute. Ça mène à béton armé et au procédé Martin Siemens. Ok, alors, haute technologie, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je me dis qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir la quinine. Le problème pour l'avoir, pour aller coloniser, c'est que... Donc, on a déjà colonisation. Il faut... les produits pharmaceutiques. Mais ce qui se passe, c'est que les produits pharmaceutiques en eux-mêmes m'intéressent bien. La taxe des spiritueux, c'est pour favoriser la bière. Je ne suis pas penché trop sur la bière encore. Lanox, merci beaucoup. C'est très gentil pour le soutien. Merci beaucoup. Ça donne... On peut investir dans l'institution système de santé, ce qui me paraît quand même pour le niveau de vie intéressant. Donc en soi, elle m'intéresse bien. Donc pourquoi pas. Maintenant, on va aller voir nos aciéries. Parce qu'on a débloqué une nouvelle méthode. Donc, soit je change ici, soit je change là. Donc, c'est déjà un bâtiment qui est pas mal, mais on pourrait gagner plus d'argent. Le procédé Bessemer va produire beaucoup plus d'acier. 75 en plus par rapport au 198, c'est quand même une grosse augmentation. Il veut augmenter l'emploi, il va consommer plus de fer. Donc ça, on va le prendre. On va également, pour nos mines, ça j'aurais pu le faire dès le début, tout ce qui utilise les chemins de fer, on va le faire. Pour booster. Le reste, a priori, c'est bon. On va peut-être vérifier de temps en temps. Tant qu'on y est, on va vérifier qu'il n'y a pas trop d'usines, de secteurs qui sont mises à mal. La Syrie, ça en vient de changer, je vais attendre un petit peu. La manufacture d'armes gagne pas d'argent. Ou très peu d'argent. Très embêtant. Est-ce que tu sais avec ton expérience de jeu si le système économique fonctionne comme Victoria 2 ? Alors je peux pas te répondre parce que j'ai pas joué aux deux. Je dois bien l'avouer. Alors je remonte un peu. Les grandes puissances influençaient les autres pays dans Victoria 2. Si tu déclarais la guerre à un pays sous influence, alors la grande puissance la défendait. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de protectorat ou de zone d'influence. Je sais que quand tu déclares, quand tu fais un coup diplomatique, en fonction des relations que les grands états ont avec le pays que tu vas attaquer, ils vont prendre le parti ou pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais là, comme ça... Si je vais dans diplomatie, on peut aller voir s'il y a des choses qui sont indiquées. Bah, il y a les intérêts. Donc ça, c'est les parties du monde pour lesquelles la Grande-Bretagne a intérêt. Donc en gros, partout. Hein. Tu as le niveau fantoche, dominion, protectorat.
mais je pense pas. Oui, je pense que c'est ça que tu veux dire, en fait. À mon avis, c'est ce niveau-là. Genre protectorat ou autre, ça va être le niveau de protection que va apporter la Grande-Bretagne à ce pays-là. Il y a des niveaux qui se rapprochent de la vassalisation parce qu'ils vont toucher des taxes, etc. Après, j'ai pas encore regardé en détail, mais voilà. Peut-être on regardera ça plus tard. Alors, Balbrock, merci beaucoup également à toi. C'est très gentil, merci du soutien. On continue. Où est-ce que j'en étais maintenant? Je voulais regarder quoi? Ah oui! On avait un petit problème de manufacture d'armes. Et la Syrie n'a pas l'air de se porter beaucoup mieux pour le moment. Faudra que je regarde, j'ai enlevé la pause de seconde. Productivité 0, d'accord, attendez. Alors peut-être qu'il y a un petit temps de substitution et que je devrais attendre un petit peu. Ça, c'est possible. Je vais attendre un petit peu avant de me pencher dessus. Parce qu'on a changé de méthode, donc peut-être ça prend un petit peu de temps. Bah, attendez, voilà. C'est revenu à 7-9 maintenant. Ce qui n'est pas génial, hein, mais... ça gagne un peu d'argent. A priori. Donc les armes, quel est le problème? Du fer qui est toujours cher. Décidément, on doit toujours en produire plus ou alors il faudra en importer. Alors des armes... des artilleries et des armes légères peu chères. Donc ça, on peut en exporter. Mais après, franchement, il y a une différence de 2. C'est pas ça vraiment le problème. C'est plutôt le coût du fer, peut-être. Ou un mix des deux. Ouais, on peut essayer d'augmenter encore la production de fer. On en manque de toute manière, là, c'est clair. Ça ne pourra faire que du bien à nos aciéries. Hein. D'une manière générale, augmenter la production de biens primaires, de ressources primaires, on peut rarement vraiment se tromper. Dans le pire des cas, on les exporte si on en produit trop. Et merci, merci encore pour le soutien. Très gentil. Où est-ce que j'en étais? Fer, voilà. On va monter encore d'un niveau. Ok. On va monter... le secteur de la construction, parce que je vois que même quand c'est utilisé à fond, on gagne 7-6, ce qui est pas mal. On va remonter encore en Wallonie. Ok. J'avais monté, moi, je pense, ma recherche au niveau 3. Hein. J'ai récupéré la Ah, j'ai loupé la nitroglycérine. Je devais regarder le chat à ce moment-là. Donc là, on peut booster tout ce qui est mine, si c'est bien le cas. Est-ce que t'es sûr? Non, non, je ne l'ai pas récupéré. Pas encore. Peut-être ça va arriver bientôt. Alors là, je vais vers la quinine. C'est pour vous montrer la colonisation. Je pense que le mieux au début serait plutôt peut-être de booster vraiment tout ce qui est nos mines. On a la chance d'avoir des belles ressources dont tout le monde a besoin. Le charbon pour l'exporter vers l'Angleterre, par exemple. Je ne sais pas s'ils en produisent. À mon avis, oui, quand même un peu. Le fer. Mais... je voudrais coloniser, même si je pense que ça va me plomber un petit peu au niveau financier, mais bon. Un célèbre dramaturge en faveur de la réforme, en plein débat sur la... Alors là, vous voyez, là, c'est parce qu'on a eu un événement, on est arrivé à mon avis au bout de ça, et on n'a pas eu un succès franc. En plein débat sur la loi à séparation totale, l'un des plus grands dramaturges du pays, fortement lié au groupe d'intérêt élite intellectuelle, a mis en scène une pièce acclamée par la critique, dont le thème politique ne cache pas le souhait de l'auteur de voir la loi adoptée. Ça, c'est plutôt bon. Le point de vue de cet homme a beau être biaisé, vous ne pouvez pas contester la beauté de sa prose. Et à ce moment-là, plus 10% de probabilité pour la prochaine fois, donc ça c'est bien, on progresse, hein. Ou alors on attire plus de gens chez les intellectuels. Ça m'intéresse bien, ça. On avait vu qu'il y avait des lois qui étaient boostées que par l'élite intellectuelle, comme le suffrage universel. Donc je pense que s'il faut qu'on booste quelqu'un, c'est l'élite intellectuelle. On va prendre ça. On est déjà à 40%, donc on a quand même 4 chances sur 10 déjà que ça passe au prochain tour. Sinon, si ça passe pas, bah... il y a 8% de chances de blocage, par contre, maintenant. Ça, c'est quand même un risque. Tu vas jusqu'en 1936 dans le jeu, c'est 100 ans.
C'est pas grave, Snorni, y a aucun souci. Ok. On va avancer un petit peu, mais on va essayer de garder à l'œil quand même nos bâtiments. La manufacture est pas bonne, mais c'est normal, on n'a pas fait le fer encore. Les aciéries, bon bah, ça ira mieux encore avec le fer normalement. Maintenant on peut peut-être en exporter si on en produit trop, je sais plus. Ordre de vente, ordre d'achat. Non, on a plus d'ordre d'achat que de vente, donc le prix n'est pas le problème. Faut plus de charbon aussi encore. Je me trompe. Rural. Charbon. Donc au niveau économique, faut un petit peu jongler entre les trucs qu'on me demande là. Les bâtiments qui gagnent pas d'argent. Les produits qui sont trop chers, et aussi ne pas oublier peut-être de temps en temps, dans les produits trop chers, regarder les biens de consommation. Parce que voilà, les gens ont vraiment besoin de ça, je pense les biens essentiels, c'est grave si on n'en a pas ou si c'est trop cher. Après on peut pas ne pas en avoir, hein. Les gens en trouvent toujours, mais c'est juste que c'est cher. Si la bouffe devient chère par exemple, c'est ça, à mon avis, ça me plaît pas trop. Faut qu'on travaille sur nos aliments. On a une usine alimentaire qui est pas en super forme. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Parce que je voudrais la faire grandir pour produire plus. Maintenant, je pense qu'on va du coup... Comme elle est déjà pas en forme, vous voyez, l'augmenter maintenant, c'est pas bon. Donc on va essayer d'importer. Après, moi, je vous dis ce que je pense, hein. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. J'ai joué 20 heures, mais... Pff, c'est peanuts, en fait, pour ce jeu. Surtout qu'on n'a pas joué au deuxième. Ah, zut. Apparemment, la bouffe, c'est pas génial. Ça va me coûter de l'argent, mais je peux importer. Ça va marcher, c'est juste que ça va me coûter de l'argent. Je n'aime pas trop. On va essayer de développer un petit peu notre industrie. À mon avis, j'ai pas développé les champs. Ça doit être le problème. Ouais, les céréales sont chères. Le sucre, ça va. Faut qu'on produise plus de céréales et puis on pourra booster les industries alimentaires. Ok, on sait ce qu'on doit faire. On pense qu'on sait ce qu'on doit faire. On espère. Alors déjà, ça... Ah, et ça, ok. Ça veut dire que le signe, là, ça veut dire qu'on produit pas de la même manière partout. Genre là, il y a des vignobles en Wallonie et là, il y a des agrumes. Maintenant, on pourrait faire culture unique et on récupérerait des céréales directement, sans devoir attendre. Donc on va faire ça. Ça m'embête un peu, mais on va faire ça. Parce que je dois attendre de finir le reste. On va quand même faire plus de blé et puis on rééquilibrera un petit peu. On va en faire une dans chaque. Nourrir la nation, très important. Julien, merci beaucoup. Une petite broue à ma santé, je te remercie beaucoup. Santé à toi. Merci pour le soutien. Alors on peut subventionner les usines. Est-ce que je ne l'ai pas déjà fait tout à l'heure d'ailleurs? Il me semble que j'avais hésité à le faire pour un truc, mais je sais plus quoi. Si jamais il n'y a pas de solution, on trouve pas de solution à court terme, c'est trop compliqué. On peut toujours subventionner. Je pense que pour l'instant, ça va quand même mieux. Il y avait les armes, mais les armes, je m'en fiche un petit peu si elles marchent moins bien. Donc, il y a des postes vacants, on produit pas tout ce qu'on peut. Toujours le prix du fer, hein, mais ça va se finir. Il faut que j'enlève la pause, évidemment. As-tu un objectif ou une ligne conductrice avec la Belgique? Alors, je souhaite, si possible, annexer les Pays-Bas. Pour commencer. Sylvain, pas de problème. Oui, il y a des partis politiques, mais on en a déjà parlé, on reviendra dessus après, quand on votera une loi.
Séparation totale. Donc, on voit toujours les prix, les trucs les plus chers. On voit que le bois est cher également maintenant. Donc, il faudrait en produire plus ou en importer. On pourrait essayer d'en importer un petit peu. Même si c'est que temporaire, ça aide le marché. Ça ne me rapportera pas d'argent, mais ça me rapportera du bois. Ça aidera les gens. Donc, franchement, idéalement, il faut faire le maximum d'actions si vous voulez optimiser. Là, j'essaie quand même d'avancer dans le temps, mais... Il y a toujours des choses à faire pour optimiser un petit peu. C'est possible d'annexer pacifiquement, Jean-Baptiste, tout à fait. En fait, ce que tu peux faire, c'est tenter un coup. Tu fais un coup. Par exemple, je lance un coup diplomatique pour conquérir l'État. Il y aura une phase de soutien. Les grandes nations ou d'autres nations vont se mettre d'un côté ou de l'autre. C'est pas encore la guerre, c'est juste du soutien politique. Et peut-être que les Pays-Bas vont pas être assez soutenus et qu'ils vont dire « Bon ben, on veut pas la guerre, on laisse tomber. » Et donc on donne la province. Et donc c'est une annexion pacifique dans le sens où on l'a demandé et on l'a eu, quoi. Ça peut fonctionner, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc les Pays-Bas françoises vont pas accepter, sauf que si les Français se mettent avec moi et que ni la Prusse, ni l'Autriche, ni la Grande-Bretagne ne se met avec eux, il est possible qu'ils se plient, qu'ils se couchent. Le jeu est-il accessible pour un néophyte dans ce style de jeu? Un néophyte total en jeu de stratégie et de gestion, je dirais que si tu te sens le courage de prendre le temps de comprendre, oui. En fait, le jeu, il a des mécaniques comme... assez particulière, de manière qu'il faut de toute façon les apprendre, ça prend du temps pour n'importe qui. Hein. J'ai quand même pas mal l'habitude des jeux de gestion et de stratégie, et ça prend quand même du temps, faut quand même lire tout, je veux dire... Si tu te sens de le faire, il n'y a pas de problème. Après, il faut accrocher au jeu. Hein. La personne qui va pas accrocher au jeu, ça n'ira pas. Donc on a fini les premières choses, on a fait le fer, ok... Moi, j'aime vraiment bien afficher ça. Ça me permet de voir direct... direct les choses éventuellement sur lesquelles je dois travailler. Alors, on a des routes commerciales improductives. Alors, je sais pas pourquoi ça devient improductif, le papier, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'on en a assez maintenant? Ordre de vente, on en a quand même toujours un déficit et pourtant, c'est improductif. Je sais pas pourquoi. On comprend. Peut-être que c'est par contre parce que il n'y en a plus assez là-bas, au niveau du pays exportateur. Et il n'y a pas de tout le type là, donc je ne peux pas vraiment le savoir. Si vous avez une idée, ça me dit. Alors, capacité d'imposition insuffisante. Ça, c'est intéressant. Le solde de la capacité est de moins 2. Et pourquoi la capacité n'est pas bonne alors que j'ai assez de bureaucratie? Je sais pas vraiment. On va lire ça ensemble. Alors, chaque point permet une imposition efficace de 10 000 individus. Si la population dépasse la capacité d'imposition, l'efficacité de toutes les formes d'imposition sera réduite. Elle peut être accrue par la recherche de certaines technos ou des bâtiments d'administration gouvernementale. Ah, c'est peut-être que localement, il n'y en a pas assez. C'est peut-être que localement, il n'y en a pas assez. J'en ai 2 en Wallonie et 3 en Flandre quand même. Hein. Je suis un peu surpris. Je sais pas trop. Si je mets ça, ça va rien changer. Je peux en refaire un en plus. Après, je suis déjà à plus 88, donc ça m'embête un peu. Non, je vais pas le faire pour le moment. Ça va peut-être se rectifier tout seul. Maintenant, c'est moins 0,8%, donc ça va pas me faire pleurer. Alors, les armées se gèrent comment? À mon avis, on n'aura pas le temps de faire une guerre aujourd'hui. Je le ferai demain, je pense. Alors, ça donne quoi? L'onglet militaire, par contre, je peux vous le montrer. Donc, vous avez votre armée... qui est composé de réguliers et de conscrits. Les conscrits sont chez eux, hein, c'est des gens normaux.
Et puis là, c'est l'armée de métier, on va dire. On peut mobiliser les généraux, ils vont directement prendre les réguliers, et puis les conscrits, il faut les appeler via les centres de conscription. Je sais plus comment on fait exactement, mais pas très compliqué. Après, pour l'armée en elle-même, le combat, ça, je vous montrerai quand on aura une guerre. On va avancer un peu plus vite. Ok, donc là, on est bien en positif. On va relancer des productions. Est-ce que ça va mieux? Manufacture d'armes, Flandre. Oh, on va regarder un petit peu les objectifs, tiens. Le département de philosophie. Niveau de bâtiment supérieur ou égal à 5. Je pense qu'on va développer notre recherche un peu plus. Ici. Alors, il nous suffirait d'une industrie automobile. Et on lance ligne secondaire, un petit événement. Ça va déclencher l'essor des chemins de fer, pourquoi pas. Urbaniser la Belgique. Il nous faut un centre urbain de niveau 10, ça se fait automatiquement avec l'urbanisation. Ça, c'est le suffrage. Et là, c'est l'Académie des Arts. Alors tout ceci, on l'active, on le met en haut, en fait, quand on a les conditions. Et après, il faut encore remplir les conditions pour activer l'événement. Nous, on va commencer par faire une usine automobile. Pourquoi pas? On produit de l'acier, on produit des choses. On va essayer de se spécialiser un peu là-dedans. Donc dans urbain, je pense qu'on n'en a pas encore du coup. Hein. Ça, c'est les bâtiments qu'on n'a pas encore, mais qui sont potentiellement faisables. Et industrie automobile, voilà. Ça va produire des moteurs. Ça va consommer notre acier, donc c'est bien. Ça va fonctionner, faire fonctionner nos fourneaux, donc c'est nickel. Je vais la faire. Alors attention, qualification insuffisante, ça veut dire que j'ai pas assez de métiers qui pourraient prendre le métier nécessaire. Donc par exemple, des paysans, parfois ils sont assez qualifiés pour devenir ouvriers. Et là, ça marche. Mais là, j'ai pas assez de soit des gens qui sont déjà de cet emploi-là ou de gens qui pourraient le devenir grâce aux qualifications. Je les ai pas assez. Par contre, en Flandre, on les a. Et on voit la main-d'œuvre disponible, 309 000 paysans, et là, 213 000 paysans. Mais là, il y en a moins, mais ils sont sans doute plus qualifiés. Donc, on peut y aller en Flandre. Ok. Alex, salut. Bah, c'est plus dans la gestion des ressources, ça c'est clair. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la production, c'est le PIB, c'est les populations aussi. On n'est pas sur un jeu de grande stratégie plus diplomatique et guerrier que comme un peu Europa Universalis, même si Europa Universalis va un petit peu de tous les côtés, j'ai l'impression. On est plus focus ici, vraiment. Un discours passionné et passionnant. Cet après-midi, Ignaz Jos, chef des élites intellectuelles, a prononcé un discours enflammé en faveur de la promulgation de la loi séparation totale. Lors de son discours en public sur la place principale de Bruxelles, Ignaz Jos a impressionné même ses opposants politiques les plus aigris par son art de la rhétorique. Des extraits des discours circulent déjà à travers la Belgique, attisant le feu d'un débat déjà enflammé. Plus 15% pour la prochaine fois, ça me fait passer les 50% de chance, c'est pas mal. Ou alors, encore plus 5% d'attraction du groupe d'intérêt élite intellectuelle. Et on gagne quand même 10%, je vais prendre ça. On essaie de booster notre élite pour qu'elle gagne... du pouvoir, hein, du poids politique. Après, là, pour l'instant, il a baissé. Je sais pas trop pourquoi. Alors que je fais des efforts pour le monter. Ça peut être parce que la richesse moyenne des gens qui sont dedans a baissé. Je sais pas trop. Alors, je vais vous montrer un truc. Quand les groupes sont contents, prenons les industriels qui sont carrément loyaux. Bassis Pelum, salut. Moi aussi. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Voilà. Groupe d'intérêt, poids politique, la loyauté. Ils sont super contents. Quand ils sont contents, très contents, ils activent deux bonus. Quand ils sont juste contents, ils en activent un. Quand ils sont mécontents, ils ont un trait négatif qui donne un malus à votre état. Là, moins 20% d'impôt sur les revenus des manufactures. C'est grave. C'est assez grave.
Ici, on a moins 20% de coûts de technologie de production. Donc, peut-être on aurait dû se focaliser un peu sur les technos de production. Bon. Créateur d'emplois, plus 20% de contribution au fonds d'investissement des capitalistes. Si je vais regarder un peu les autres, on peut regarder un petit peu. Il faut juste que je trouve où c'est. Je me rappelle plus. Vue d'ensemble. Ouais, c'est ici qu'on va les retrouver. L'élite qui est contente également. Moins 10% au coût des technos sociétales. Bon, j'ai déjà ça, moins 10%, c'est déjà pas mal. Plus 50% d'attractivité migratoire dans le pays, c'est pas mal. On va avoir plus de population. Vous voyez, on a vu récemment que j'avais pas le choix pour mes industries automobiles. J'avais pas assez de gens qualifiés en Wallonie. Ça peut être intéressant d'avoir plus de gens dans le pays. Ça peut être carrément important. Alors, la zone entre Cassel et Dunkerque dans les Hauts-de-France fait-elle partie de la Flandre ? On est en France, là. C'est indiqué comme la Picardie à partir de Dunkerque ici. Maintenant Cassel, je t'avoue que je sais pas où c'est. Tu comptes coloniser ? Bah bon, rappel Omnistia, on va regarder si on peut coloniser maintenant, il y a un peu de temps qui est passé. Je peux en faire une. À tous les coups, c'est en Afrique centrale. Je peux coloniser le Cameroun méridional. Alors pourquoi est-ce que je peux le faire? Parce qu'on a terminé d'établir la grande zone du Congo comme étant une zone où on a de l'intérêt. Donc on peut coloniser. Et en plus, il n'y a pas le paludisme grave. Il y a sans doute un petit peu de paludisme. Voilà. Alors c'est quand même moins 90% de vitesse de croissance des états hors patrie. C'est énorme. Ça veut dire qu'il faudra inclure cet état dans la patrie et avoir la clean, je pense, pour contrer le paludisme. Avant ça, ça va être un peu à la traîne, j'imagine. On a quand même une petite population de 500 000 d'habitants. Hein. Ça peut être intéressant. Alors comment ça marche la colonisation? Ça se fait automatiquement, une fois que vous avez commencé. Invite MAF pour la colonisation du monde, oui, ça peut être pas mal. S'il amène ses armées, ce sera pas trop dur. Donc vous allez avoir un délai avant que chaque petite province, chaque région de la grande nation que vous colonisez, là je suis en train de coloniser du coup, on a vu le Cameroun, est terminé. Une fois que c'est terminé, ça s'arrête et vous avez comme région décentralisée ce que vous avez colonisé, quoi. Ça se fait pas en un coup et ça prend très longtemps. Alors par contre, une fois que je me suis implanté, si je veux, je peux construire dedans. Ou pas, pas tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre quand même d'avoir au moins pris le... Ouais, je pense qu'il faut attendre, en fait. Une fois que j'aurai terminé le compteur, je pourrai construire déjà des choses dedans. Dans la petite partie que j'aurai prise. Alors évidemment, ça va créer de la tension avec les tribus locales. Elles vont éventuellement se rebeller, on devra envoyer l'armée, etc. Monument du roi. Une statue de notre brave roi Léopold Ier a été commandée et il a été suggéré de l'exposer fièrement en Wallonie. Profond. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le regard de la statue lorsqu'elle vous sourit. Des yeux qui scintillent dans la direction opposée à celle du soleil. Mais peut-être que c'est votre imagination. Une petite statue, pourquoi pas? Plus 3% en prestige. Donc en prestige de l'État. Hein. Plus 2% des groupes sociaux de la Wallonie deviennent plus radicaux. Ah non, j'ai pas envie. On a assez de radicaux comme ça. Hein. Presque. Peut-être que tout le monde ne souhaite pas se souvenir du roi. Comment ça, il est mort? Et l'Église catholique obtient désapprouve que la statue du monarque ne soit pas dressée. On s'en fout. Non, il est pas mort, il est toujours là. De son vivant qu'on fait la statue. Bon on l'a pas fait finalement. Les Hauts-de-France résumés par la Picardie. Et oui, pourquoi pas. Cassel se situe à une quinzaine de kilomètres de la Belgique, faisant partie des Trois Monts.
Bah tiens, ok, c'est pas très connu chez nous, Cassel, en fait. Je pense, en tout cas. Gakasi, merci beaucoup, c'est très gentil. L'effet vocal, on aurait dit Oscar de Sibéria. Ah, c'est marrant, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ce que tu me dis là. C'est vrai. Alors, j'ai pas voulu faire une voix de robot, mais elle ressort quand même vachement robotique. Malheureusement. Faudrait que j'aille un petit peu moins fort sur l'effet, je pense. J'ai pas eu le temps de régler plus. MacGuignol, salut. Clem, salut, bienvenue. Le jeu sort demain soir. Enfin, je pense que ça sort au soir, généralement. Je pense que les jeux Paradox sortent plutôt le soir. Si je devais parier, ce serait 18h ou 19h. Voilà, ligne secondaire achevée. Pourquoi on a fait l'industrie automobile? Et donc, on a fait ce que le journal nous a proposé de faire. Et on a l'essor des chemins de fer. Vous voyez, vous avez ce genre de petite animation cool. La croissance des lignes secondaires le long des voies ferrées principales a été immensément précieuse pour la croissance de notre industrie ferroviaire en plein essor. Un enfant a été arrêté pour avoir ramassé du charbon le long de voies ferrées nouvellement installées. S'il avait été assez intelligent pour voler toute la voie ferrée, il aurait été salué comme le Napoléon de l'industrie. Ok. Comme c'est bien dit. Les chemins de fer de Wallonie prospéreront. Alors là, pendant 5 ans, ce qui est long dans le jeu, 5 ans, c'est un 1/20 d'une partie. Plus 33% de capacité de production des bâtiments de type voie ferrée. Ça, c'est pas mal, hein. Je crois que c'est la méthode de production voie ferrée, c'est pour les mines, pour les transports. Non, je crois que c'est plutôt... Ça, c'est des bâtiments qui me donnent l'infrastructure. Donc c'est peut-être moins important, mais ça reste quand même pas mal. Ou alors en Flandre, on profite de l'essor. Et on booste notre industrie automobile de Flandre. Ça peut être pas mal, 33%. Ça va consommer plus de fer, plus d'acier. On pourra produire plus d'acier. Ou alors on gagne 3000 de progression de la technologie wagon en fer, en acier. Je peux dire wagon là parce que je joue la Belgique. Là, vous pouvez rien dire. Si je joue la France, je devrais dire wagon. On est d'accord. Qu'on lui vole son mégaphone, dis-je, Caro. Mais non, enfin, voyons. Ok. Merci Aigle Royal, c'est sympa. Donc moi, je vous propose, c'est de prendre les constructeurs, on va booster l'industrie automobile. Alors le petit V, si jamais vous posez la question, c'est l'option qui va être choisie par défaut par le jeu si on réagit pas. Ils prennent le truc le plus consensuel, on va dire, le plus basique. Nous, on va booster notre industrie automobile pendant 5 ans. Pourquoi pas? Ce qui veut dire que dans 5 ans, ça risque de se dérégler si on a réglé les choses, mais bon. C'est pas mal, regardez, ça marche bien nos industries là. Hein. Ça gagne du pognon. Ça gagne du pognon. Alors, la manufacture d'armes, ils ont toujours du mal. Hein. On pourrait la subventionner, mais est-ce que j'ai vraiment l'intérêt à le faire? Oui, pour pas que les gens soient pauvres, les gens qui y travaillent, quoi. Tous les postes sont pourvus. On est la 29e plus productive au monde, ce qui est très moche. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du fer est pas cher, on a baissé le prix. Le prix du bois est pas cher. Le prix du... Ouais, c'est les armes légères, elles sont vraiment pas chères du tout. Donc on va essayer d'en exporter. Puisqu'on en consomme... En fait, on ne consomme que les 2/3 de ce qu'on produit. Hein. C'est quand même vraiment relativement... C'est que 5 en moins, mais en fait, en proportion, c'est vraiment peu. C'est vraiment beaucoup, pardon. Donc on va essayer d'exporter les armes, puisqu'on n'en a pas spécialement les armes. Si j'avais plus de casernes, peut-être on en consommerait plus. Est-ce qu'on va armer les Britanniques? Pas les Pays-Bas, évidemment. On va armer les Britanniques. Là, du coup, on va en exporter 10, potentiellement. Et ça veut dire qu'on va en produire pas assez. Les ordres d'achat sur le marché belge sont passés à 20. Plus que ce qu'on produit. Donc le prix, maintenant, est monté. Boom, productivité. Et voilà, ça marche très très vite, ça s'adapte très vite. Et on a résolu le problème. D'autant plus qu'on a un accord commercial avec la Grande-Bretagne, donc ça ne nous a pas coûté de bureaucratie. Alors je remarque qu'on a de nouveau de l'influence. On va faire une petite pause et regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est toujours OK avec la France? Oui. Alors ce que j'aime bien également, c'est qu'il nous met directement si on a une chance d'y arriver ou pas, pour une alliance, un pacte défensif ou autre. Je
pourrais faire un pacte défensif avec la Grande-Bretagne, mais j'ai pas envie. Ils vont m'entraîner dans des guerres. Maintenant, ça pourrait être tentant, hein. Maintenant, s'ils entrent en guerre avec la France ou quoi, on risque d'être vraiment dans la panade. Donc pour l'instant, je vais pas le faire. La Prusse. Et la Russie aussi, tiens. On va essayer d'améliorer les relations avec les Russes. Hanovre. Alors là, je pense qu'on a... Oui, on a le Danemark. On a déjà des bonnes relations avec eux, hein, coopératif. Il y a l'Espagne, ils ne nous aiment pas trop, on pourrait essayer d'augmenter un peu les relations. Alors vous allez me dire, Mekonski, tu as enlevé ton intérêt pour l'Hispanie. Comment ça se fait que tu peux agir là-bas? Ben sans doute que eux ont un intérêt pour le Rhin. On va vérifier. Où est-ce qu'on va voir ça? Dans diplomatie... Je sais plus où on voit ça, les amis. Où est-ce qu'on voit les grandes régions? Est-ce qu'il y a un filtre ici? Là, vous avez différents filtres. Région stratégique, voilà. Je vois pas l'Espagne. Est-ce qu'on est d'accord? Tiens, mais alors comment est-ce que j'ai pu interagir avec l'Espagne? Ah, je sais pas. J'avoue que j'ai pas la réponse à cette question-là, pour le coup. À moins que j'ai gardé mon intérêt pour eux. Je pense que je l'avais enlevé. Hein. Mm-hmm. Rhin et Congo. Bah écoutez, je j'ai pas la réponse, je sais pas. Oserais-je dire que c'est un bug? J'en sais rien. Valentin, les voitures, la marque... Les voitures Koenigsegg, la marque éponyme du grand constructeur automobile belge. Oui, bah oui. Quel beau modèle. L'unité monétaire est unique pour le monde, c'est la livre, c'est pour simplifier. Sinon, t'imagines bien que ce serait... On ne s'y retrouverait pas, évidemment. Je trouve qu'ils ont bien fait de le faire. J'imagine que c'était déjà comme ça dans Victoria 2. Hein. Je vois pas trop comment ils feraient autrement. Alors, on n'a rien en construction. On gagne trop d'argent. On a trop d'argent. Il faut construire beaucoup plus. On a un solde énorme. Sachant qu'on a des réserves max dans le jeu, on va profiter pour augmenter encore le secteur de la construction. On va l'augmenter au Cameroun en prévision de construire des bâtiments là-bas. Comme ça, on peut construire plus en même temps. Ça nous coûtera un peu de l'argent et on pourra rebaisser un peu notre solde. On a des routes qui sont plus productives. Je sais pas pourquoi exactement, mais... Ça veut dire qu'on pourrait les enlever. Agitation au Cameroun, à cause sans doute de notre intervention. Et on peut déclarer des intérêts en plus. Oh, on est devenu puissance importante. Alors ça, c'est bien. Donc, dans le jeu, vous avez les grandes puissances. Est-ce qu'on pourrait voir ça? Je sais plus où on peut voir toutes les... Peut-être en diplomatie. Je sais plus où on voit la liste de tous les pays. Vous avez les grandes puissances, les puissances importantes, et après vous avez puissance mineure, je pense. Donc là, on a pris un niveau de puissance quand même. Hein. On aura des avantages comme plus d'actions diplomatiques, de manœuvres pendant les actions diplomatiques. Des intérêts maximum, influence, ok. Cool. Est-ce qu'on essaie de voir la guerre ou pas avant de se quitter? Comme ça, je vous montre ce que c'est. Mais je pense qu'alors que je vais sauver avant. Parce que c'est pas vraiment ce que je ferais si je faisais une partie normale. On va faire un vote. Ok. Je suis pas du tout prêt pour faire la guerre. On n'a pas... On s'est pas renforcé, on n'a pas fait de recherche. Mais sur un malentendu, ça peut quand même passer. Faut voir qui va me soutenir. Et qui va soutenir les Pays-Bas, mais logiquement, on devrait pouvoir y arriver. Alors le truc, c'est que pourquoi est-ce que je peux pas avoir plus de militaires? C'est une question de loi. Les lois influencent beaucoup de choses dans le jeu.
J'ai dit régulier parce que j'ai... Je crois que j'ai deux casernes, en fait, dans le jeu. J'ai dit caserne. Une caserne, c'est un bataillon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Avec la loi que j'ai, je peux en avoir... Je pense que je peux en avoir que 10. C'est 5 par état. Je vous laisse voter. On avance un tout petit peu. Il faut que je relance quand même des constructions, c'est toujours important. Alors, qu'est-ce qui est cher? Ah, le transport. Vous voyez, j'ai activé les transports de matériaux par ferroviaire, voie ferroviaire, tout ça, ça commence à devenir cher. Rare. Tout ce qui est rare est cher, on connaît. Donc on va produire plus de transports. Ah oui, on devait augmenter les aliments, c'est vrai. Ça devrait aller mieux maintenant qu'on a refait des fermes. Et on a besoin encore de plus de vêtements. Donc, commençons par la bouffe. Purée, ça va toujours pas. Qu'est-ce qu'ils font? Alors on gagne trop d'argent, je vais subsidier peut-être sinon. Hein. Le prix de vente est cher, donc c'est bon. Le prix de vente des spiritueux, ah oui, il n'est pas cher. On devrait exporter des spiritueux, en fait. Ça, ça va. Ok, on va exporter les spiritueux. C'est vraiment une gymnastique de mental hein, de faire tout ça, parce que faut pas que j'oublie que je devais aussi augmenter le, les transports et les vêtements. On va devoir y revenir après, oui. C'est très plaisant quand on y arrive, mais c'est vraiment une gymnastique. Alors, on va exporter les aliments. Et ouais, non, de nouveau, ça... pardon, pas les aliments, les spiritueux. Ça, on peut exporter. Alors, marché britannique, ils en demandent, donc pourquoi pas. Purée, les Portugais, c'est des boissons soif. 105. Et là, on va exporter énormément au marché britannique aussi. Donc ça devrait suffire. Pour faire remonter la productivité des industries alimentaires. Sachant que le reste, les autres facteurs étaient bons, ça devrait aller. On va booster. Maintenant, les ordres de vente... sont toujours largement supérieurs, donc je vais encore exporter encore plus. On va... Ah, le marché portugais, tiens. Ça a baissé, ok. On a pas mal de bureaucratie, donc on peut se permettre. Le Luxembourg, ce serait mieux? Non, j'ai rien contre le Luxembourg. Mais j'ai une dent contre les Pays-Bas. Peut-être qu'on pourrait essayer de débloquer des trucs également ici. Et je crois que ça va aller maintenant, et sinon on peut subventionner. Ça, c'est bon. Les textiles, ils produisent déjà pas mal. On va juste augmenter. Enfin, c'est pas génial, hein, honnêtement. Ils gagnent de l'argent quand même. Hein. Les liquidités sont au max. Ça pourrait être mieux. Le problème, c'est qu'on voit tout de suite que le tissu est cher. Les vêtements sont chers, ça il en manque, donc c'est normal. Donc on pourrait essayer de faire du tissu ou d'en importer. Après c'est sans fin évidemment, on peut pas toujours construire. À un moment donné, il faudra importer. Clairement on manque de tissu. On va aller voir. C'est dans le rural je pense qu'on produit ça. Est-ce qu'on en produit seulement du tissu d'ailleurs nous? En réalité. Papier... Oh, j'ai l'impression qu'on n'en produit pas, en fait. Ce serait embêtant, ça. Oh, ça, nulle part. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir là, et on va aller voir comment on peut en faire. Range de pâturage intensif, production de base. Production de base, c'est dans les fermes des paysans. Élevage de bétail. D'accord, c'est dans l'élevage de bétail en fait, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc on va en faire un peu plus. Oula, peut-être que j'ai un peu exagéré en faisant deux. Alors c'est dommage, dans l'interface ici, on ne peut pas annuler avec le clic droit, on ne peut pas diminuer le nombre, il faut revenir alors dans le bâtiment. Donc rural.
J'aime mieux faire des petites touches quand même, quand je suis pas trop sûr. Je pense pas que le déficit était énorme. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait le transport, et puis on a fini. Alors à quoi servent les liquidités? C'est une bonne question. Je vais vous montrer après. J'ai pas vraiment besoin de le savoir pour jouer au jeu, mais je vais essayer de vous expliquer. Où est-ce que j'en étais? Le transport, oui. Urbain. C'est dans développement, en fait. Quoi faire, et voilà. On gagne de l'argent en plus avec nos ventes de tickets, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'on en manque de pas mal, donc le Cameroun attendra pour l'instant. On va faire un volume là, comme ça là. Hop, on utilise tout. Quand j'utilise toute ma capacité de construction, je suis encore en bonus de 18 700. Je pense qu'on se débrouille pas mal niveau financier, hein, même on a trop de pognon. Donc on va encore booster le secteur de la construction, on va construire à mort. On est pas mal, je trouve, hein. Alors, résultat du vote. 83% de oui pour la guerre contre les Pays-Bas. Donc on va s'en occuper. On va s'en occuper. Alors je vais sauver quand même proprement avant. C'est la Belgique d'avant-guerre. Voilà. C'est surtout pour vous montrer, mais si ça se passe bien, on va garder le résultat. Donc, attendez, d'abord quelqu'un m'a posé une question, je vais y répondre quand même. Rapidement, on va prendre un bâtiment qui fonctionne moyennement. Donc, les liquidités, c'est les réserves d'argent de l'entreprise, du secteur. Ça se remplit quand le solde est positif. Et en fait, ça va être redistribué en dividendes dans les groupes sociaux qui ont des parts de propriété sur le secteur, sur l'entreprise, sur la production. En gros, au début, c'est que les riches. Maintenant, il y a sûrement d'autres moyens de distribuer. Et ces moyens, ils sont ici. Méthode de production de propriété. C'est propriété privée, mais vous avez aussi guilde de marchandes, cotée en bourse, dirigée par le gouvernement, entreprise d'État, coopérative de travail, pour que ça revienne aux ouvriers. Donc il y a moyen d'essayer de faire un état plus ou moins communiste, autocratique avec le gouvernement qui dirige tout. Enfin bref, il y a vraiment moyen d'essayer de faire une société, comme pour les partis également qui composent le gouvernement, taillée sur mesure. Donc ça enrichit en fait ces groupes sociétaux là. Salut, tu as eu le jeu en avance où ? Coin presse ? C'est quoi ça, coin presse ? Ok, donc là j'ai sauvé. Hein. Donc, les Pays-Bas. Qu'est-ce qui m'intéresse aux Pays-Bas, c'est les ressources naturelles. J'ai pas envie de leur prendre leur capital, ce serait une humiliation, je pense, trop grande dès le début. Mais prendre la guelde serait pas mal. On a le Rhin. On a des mines de charbon potentielles, ils n'en ont pas construites, c'est nul. On a pas mal de cultures possibles, pourquoi pas. Il y a 160 000 paysans. Si je vais là, il y a combien d'habitants au total? On va regarder le PIB plutôt. Non, les habitants ça va être là. Voilà, PIB 1 million, population 1 million. Là c'est 2 millions 4 et plus de population, mais... Je crois que ce serait très mal vu que j'essaie de prendre la capitale d'un pays voisin. Je pense qu'on devrait se contenter par une petite annexion des familles pour les ressources. Et là, en ressources, il n'y a rien, en fait. Oui, il y a des quais de pêche, mais nous, on a déjà un accès à la mer. On peut booster encore notre production de charbon en prenant la guelde. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Coin presse genre youtubeur. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est des relations que j'ai avec Paradox quand même déjà depuis quelques années maintenant. Hein. Donc je les ai contactés pour voir si je pouvais être dans la liste des journalistes et des youtubeurs et tout qui ont accès aux jeux un peu en avance. Et ils ont dit oui. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? Clic droit. Conquérir l'État. Et là, on ouvre un coup diplomatique qui vise à conquérir la guelde.
On va s'emparer de l'état de Geld. Ça me donnera 23,4 d'infamie. Attention, de ne pas en accumuler trop. Et ça réduira mes relations avec 13 pays. Bon, voilà. Ils apprécient pas trop qu'on annexe. C'est normal. C'est normal. Et on aura des ennemis, les Pays-Bas et le Luxembourg, parce que je pense que le Luxembourg est un état fantoche, ou en tout cas fortement influencé par les Pays-Bas. Ils n'auront pas le choix, dans un diplomatique, ils vont devoir y aller. Bon, ils ont 3 bataillons. Eux, ils ont 21 et 9, alors que nous, on a 10. Et on a potentiellement, je pense, 80 conscrits. Je pense que leur pouvoir de conscription est très faible. Mais attention. Attention, si nous, on fait la conscription, ça va saigner à blanc notre économie, parce que les gens ne pourront plus travailler. Donc, ok, on a une armée moitié moins grande. Potentiellement, on a une armée en nombre plus grande si on compte les conscrits, mais c'est dangereux pour l'économie, quoi. Alors, on va confirmer. Et là, on entre dans la phase, la première phase du coup, qui est la phase d'ouverture. Là, on peut déjà commencer à mobiliser nos troupes si on veut. On voit qu'eux, ils ont mobilisé leur flotte. Bon, on s'en tape un petit peu, on va attaquer par la terre. Là, c'est les bataillons mobilisés, je pense, pour l'instant. Les objectifs de guerre. Et là, très important, c'est les pays influencés. Qui se rapproche de qui pour prendre parti? La France prend parti pour la Belgique pour l'instant. Yes! Très important. Alors, ils se rapprochent, mais pour l'instant, on peut pas choisir de camp, parce qu'on est dans l'ouverture. Donc faut attendre qu'on arrive à la phase suivante, qui est la phase vraiment de négociation. Donc on va y revenir après. On voit les endroits où le front va s'établir, si la guerre éclate, je pense. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a déjà des fronts qui sont là, en fait. Les fronts se préparent. Si la guerre arrive, il faut qu'on soit prêt. Donc, mobiliser nos généraux à ce stade n'est pas une mauvaise idée. On va aller dans militaire, on va aller dans armée. On va mobiliser André Lambert-Nippels et ses troupes. Et on va mobiliser Louis Evin et ses troupes. Alors, les commandants, ils ont des capacités, hein. Des traits plus ou moins positifs. Ras des tranchées, plus de défense. Plus de probabilité de manœuvre surprise, donc il est pas mal, lui est 20. Et Nippels, lui, il a plus d'attaque en terrain plat et plus de santé sur lui-même. Bon, ça je m'en tape un peu. Donc je pense que de toute façon, globalement, on va se battre dans les plaines un peu partout, mais surtout là, par contre, au niveau du Luxembourg, c'est peut-être de la forêt. Et là également, c'est sans doute de la forêt, donc... Enfin, je sais pas trop comment le jeu considère, vu qu'il considère toute la région, honnêtement. J'ai pas approfondi là-dessus. Mais pour l'instant, on va demander à Nippels plutôt de se battre en terrain ouvert assurément, et donc, comme il est fort, en prudent, c'est-à-dire qu'il a... Non, c'est pas lui qui a les traits. On va le mettre en défense, là, pour le moment. Et lui est 20, on va le mettre en défense, ici. Donc, pour l'instant, ils sont beaucoup plus forts que nous, hein. Puisqu'ils ont 21 bataillons d'armée, qu'ils ont déjà mobilisés, puisqu'ils les ont mis là. Pas de panique. On va compter sur les grands de ce monde pour nous aider, notamment la France. Niveau flotte, ils peuvent certainement nous couler nos convois. Ça durera le temps de la guerre et puis on les récupérera, j'imagine. Oui, le jeu est assez complexe à prendre en main. Ça prend du temps. C'est pas des notions qui sont insurmontables, hein, mais il n'y a rien à faire. Faut arriver à comprendre comment le jeu se joue et... Moi, j'en suis à une vingtaine d'heures de jeu pour vous expliquer ici tout ce que j'ai déjà compris. Je suis loin de maîtriser, clairement. La Russie a commencé un coup soulèvement autochtone contre Sakhaline. Il y en a pas mal, des coups différents. Alors, on va avancer. Ah, on est dedans, attendez. On est dedans, on est dedans, on est dedans. Leur objectif, eux, c'est de m'humilier. C'est de m'humilier parce que, évidemment, ça leur plaît pas trop que je leur déclare la guerre pour annexer. Ils disent, on va les calmer, les petits Belges, là. Ok, donc maintenant on peut aller influencer. Alors déjà, pas de bol, mais c'était prévisible. La Prusse a pris parti pour eux. C'est une grande armée. 149 bataillons. Donc faut absolument qu'on convainque la France. Et génial, ils sont d'accord de nous aider juste pour humilier les Pays-Bas. Mais on l'avait vu au début, hein. C'est pour ça que je vous avais montré les relations de la France envers les Pays-Bas. Ils les aiment pas. Donc ça leur suffit. Ils veulent les calmer.
Donc ça c'est génial, on va proposer ça. On peut faire qu'une proposition en même temps, donc il faut qu'on attende le résultat et puis on pourra essayer d'avoir quelqu'un d'autre en plus. Mais il est possible que la France suffise. Parce que... ils sont costauds, hein, en termes de... je sais plus où on voit l'armée, mais... Ils doivent plutôt être à 200, eux. Je dis eux parce que nous, c'est les Belges, hein, les amis, vous êtes bien d'accord, hein. Vous soutenez la Belgique dans le chat, évidemment. Ouais, mais tout le plaisir est là, mais je suis bien d'accord, Nicolas et Gakasi. En fait, le moment un petit peu douloureux, entre guillemets, mais pas vraiment douloureux, mais c'est le moment où tu découvres l'interface et que tu comprends les bases du jeu. Ça, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut un peu s'accrocher. Et une fois que tu as un peu les bases en 5, 6, ou même en 3, 4, 5, 6 heures, bah là, tu t'amuses comme un fou parce que tu découvres un petit peu toutes les facettes du jeu. Tu essaies un peu de le maîtriser. Alors, du coup, j'ai un peu oublié ma colonisation, moi, ici. Hein. On va mettre les colonies également ici. On va les activer en visio. Et on voit que... donc, j'ai pris ça. C'est à moi, maintenant. J'ai reçu 2 bataillons gratos, donc on va les faire diriger par quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'en ai reçu 2. C'est peut-être les colons, je sais pas. Donc, au niveau de l'armée... militaire, armée, on va recruter un général, voilà, au QG Congo, forcément. Alors, Albert Florent Joseph. Albert Florent Joseph Pris. François Van de Kerkhove. François Van de Kerkhove. Je fais bien l'accent belge, hein. Attendez, géomètre expert. Ah oui, lui, c'est plutôt attaque-défense sur le territoire national, donc peut-être bof. Diplomate, innovant. Ou alors lui est brave, peut-être pour un colonial, ce serait peut-être mieux. Explorateur, il nous faut un explorateur au Congo. Ça, c'est bien. Plus 200% d'opportunités lors des expéditions. Ça, c'est très bien. Il commandera automatiquement 2 bataillons. Donc c'est ce que je vous disais, les bataillons, je ne pense pas qu'on puisse les distribuer, c'est automatique. En tout cas, moi je l'ai compris comme ça. Comment est le monde en ce moment? Il y a quelques conflits à gauche et à droite. Après on n'a pas encore beaucoup avancé, hein. Il peut pas encore avoir des masses de changements pour le moment. Donc faut qu'on surveille si la France... nous a rejoint ou pas, parce qu'il n'y a pas d'alerte à mon sens suffisamment claire là-dessus. Ça va se mettre là. Oui, ça doit être des colons ou des enrôlés de force sur place, je ne sais pas trop. Alors attention quand même. Oh mon dieu, on a loupé. Je s'occupais de mes colonies et j'ai... heureusement la France nous a rejoint, hein. Ils sont globalement beaucoup plus forts que la Prusse. Donc je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de faire la conscription. Parce que si on peut prendre un territoire sans avoir fait la conscription, c'est vraiment bien pour nous. Par contre, si on fait la conscription, bah, les gens vont devenir beaucoup plus pauvres. Hein. Les hommes vont mourir au combat. Qu'est-ce que vous en dites? C'est dommage que j'ai loupé, mais... après, là, c'est des puissances quand même relativement insignifiantes, mais... c'est pour ça qu'au début, j'ai augmenté mes relations avec les grandes puissances. C'est vraiment eux qui vont faire et défaire les limites nationales, en fait. Hein, c'est assez réaliste dans ce sens-là. C'est que s'il n'y a pas un grand qui vous aide, vous n'êtes rien, en fait. Hein. Bon, est-ce que je vais conscrire ou pas? Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont mobilisé que 10 bataillons. C'est pourri, mais quelle bande de fainéants! Peut-être que je vais conscrire un petit peu seulement. On va essayer de regarder si on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire que par région directement. Là, le front, il est pas bon, hein. Pourquoi il n'y a personne qui arrive, là, la France? Qu'est-ce qu'elle fait? On va devoir conscrire au moins... au moins sur un des deux fronts, je vais devoir le faire. Donc au niveau militaire, ça va se faire ici.
activer les centres d'enrôlement. Et là, on va lancer la conscription. Alors, en Flandre ou en Wallonie, je sais pas trop. Il y a moins en Wallonie, donc je pense qu'on va le faire en Wallonie. On va envoyer les fiers Wallons se battre. Hein. Les autres, on va les faire continuer à travailler. Donc les conscrits, ils vont s'ajouter automatiquement dans les armées. Ça paraît pas très évident pour le moment. Bon, et la France, là? Alors, je pense que les alliés n'envoient des unités que quand la guerre est déclarée. Donc nous, il faudra tenir le coup, ce qui n'est pas évident, on n'est pas nombreux, j'aurais dû conscrire plus tôt. On n'est pas dans la mouise. Et aussi, on aurait pu changer le type d'infanterie avant. J'ai complètement oublié. En fait, on commence le jeu avec une meilleure infanterie, mais elle n'est pas activée. Bon. Je pourrais mobiliser... Alors, on va mobiliser de Kerkhove. Et on va l'envoyer sur ce front-là, mais il faut le temps qu'il arrive, quoi. On est un peu mal si les Français n'arrivent pas, mais normalement, dès que la guerre va éclater, ils vont arriver. La guerre avec les Pays-Bas a éclaté. Globalement, on est bien. Si les Français s'investissent correctement, on est bien. Donc voilà déjà... André Lambert-Nippel, ce qui arrive. Non, c'est moi. Il est là. Seth était déjà là, pardon. J'ai eu le détail. Personne n'arrive. Personne n'arrive. C'est catastrophique. On a une bataille qui s'est déclenchée. De temps en temps, vous allez avoir une bataille. Et là, on va la perdre, quoi. On n'est pas... Mais bon, faut qu'on tienne le coup suffisamment longtemps pour que les Français arrivent. Du coup, on a des morts et tout ça va être dommageable pour notre économie, quoi. Misère de misère. Je ne me suis pas assez bien préparé. On aurait dû changer... Alors, si vous changez le type d'armement, etc., le problème, c'est que ça prend un temps fou pour se réorganiser. Ah non, la France n'aide pas, mais pourquoi? Ils sont où? Alors voyez, on commence... J'aurais dû conscrire également dès le début, mais je pensais ne pas en avoir besoin. Je pensais que la France aiderait plus. C'était une erreur. Bon, au début d'un combat, vous allez avoir des effets aléatoires. Genre là, ils ont eu manœuvre agressive, avec des bonus ou malus. Et moi, j'ai eu... Bouh! Moins 50% de provinces capturées, d'accord. Les morts, les blessés. Les forces en présence. Je retiens les Français là. Je dois les appeler à la guerre ou quoi? Avant il fallait pas les appeler, mais peut-être ça a été changé. Nitroglycérine, ok d'accord. Est-ce que c'est vraiment bien le moment? Alors la guerre globalement elle se trouve ici. Vos alliés. Stratégie autruche, tortue, ne pas aider. Enfin. Alors général. Non, c'est les deux miens ça. On va voir, mais je suis très très... Donc là, on a été contrôlé. Donc ils nous ont pris ici. Une partie de... Oh, la guerre, ça fonctionne pas par état complet. C'est plutôt des morceaux. La France se bat contre la Prusse ailleurs. Ah, ils sont là. Ouais, mais non, ils sont pas, ils s'engagent pas à fond, là. Parce que nous, on est en train de se faire saigner, là. J'aurais dû tout mobiliser aussi, mais maintenant c'est un petit peu tard, peut-être. Ah! Allié 35, ça y est. Il débarque. On va se prendre quand même pas mal de dévastation sur nos pays, nos endroits. C'est très dommageable, ils ont trop traîné. Mais maintenant, ils font ce qu'il faut pour qu'on gagne. Ça, c'est bien.
Alors pendant que c'est la guerre, le truc c'est que ça prend quand même longtemps les guerres. En ce temps-là, évidemment, les guerres duraient très longtemps. Bon, encore maintenant, vous allez me dire. Du coup... J'ai loupé un truc ? Du coup, comment dire ? Il faut pas oublier l'économie. Vous voyez, on peut pas... C'est pas parce que vous faites une guerre qu'il faut plus faire des bâtiments et tout ça, quoi. Sinon, à un moment donné, vous avez des problèmes. Et là, pour l'instant, ça va. On construit encore des trucs. Donc on peut avancer. On reprend. Grâce à la France. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Fraternité, là. Entre les Belges et les Français. Superbe. On a perdu un petit peu de puissance, mais c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir après. Un avis rapide sur le jeu, c'est bien. Ça prouve qu'il faut développer l'économie et l'industrie. Dans ce cas-ci, de toute façon, je suis nettement moins fort que les Pays-Bas. Hein. On avait moitié moins de troupes. Si j'avais voulu attendre d'être moi tout seul plus fort que les Pays-Bas, je pense que je pouvais attendre longtemps. Ça aurait été faisable, mais... Avec un bon allié, pourquoi pas? En plus, on n'a rien dû promettre de grave, juste d'humilier les Pays-Bas, ce qui nous fait encore plus plaisir. Alors, les troupes bougent d'elles-mêmes sur les fronts, sauf qu'on peut aussi leur demander de bouger. Hein. Il y a une notion de ravitaillement qui fait que de temps en temps ils vont revenir au QG parce qu'ils n'ont plus de ravitaillement. Et s'ils n'ont plus de ravitaillement, ils ont de l'attrition. Mais là, je pense que pour le moment, l'approvisionnement est bon, donc je sais pas ce qu'il fait là. On va le bouger. On va avancer un front vu qu'on gagne un peu partout. Les chiffres en vert, c'est l'avantage qu'on a a priori. Donc, on va aller là. Récupérer l'avantage. C'est le boxon. Hein. Honnêtement, moi j'ai du mal à m'y retrouver. Et ce qui est important, c'est qu'on a récupéré ici la Flandre. Ah tiens, c'est la France qui la contrôle, mais merci. J'ai l'impression que la France en profite un peu pour nous marcher dessus au passage. Ça va aller. Là, c'est la lassitude de guerre. La valeur de soutien de guerre. Donc on est moins bon que pour le moment. Là, on a perdu du territoire chez nous et tout, donc, mais ça va remonter. Ça devrait remonter. Donc bien surveiller que nos armées sont engagées, mais globalement il n'y a pas grand chose à faire. Avec tes conscrits, tu étais large. Ah oui, c'est vrai qu'on avait les conscrits. Parce que je voulais pas faire la conscription en fait. Je voulais éviter pour ne pas que mon économie en pâtisse, mais là, on a le nez en plein dans le caca, il faut assumer. Un don des connaissances. Félix Betz a proposé de dépenser une partie de sa fortune personnelle pour financer la création d'une université en Wallonie, bien que cela puisse donner une certaine influence aux industriels. Ah ah ! L'université Félix Betz sera un fier bastion de l'apprentissage en ces temps de progrès rapide, où la connaissance est vraiment un pouvoir. Une idée merveilleuse, bah oui, je vais... Ah, une nouvelle université. Oh oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ça commence à s'équilibrer. Mais après, on va les défoncer de plus en plus, a priori. Hein. Étant donné qu'on est en train de gagner. Alors, quand on dézoome, on a une belle vue avec les drapeaux. C'est parfois un petit peu fouillis, mais... Vous voyez que j'ai fait ma part du boulot. Hein. On est venu prendre par ici. On bosse quand même, hein. Agitation au Cameroun, c'est pas le moment qui se rebelle de ce côté-là. Alors pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent? Sans doute à cause des salaires militaires qui sont plus importants ici. Il faut fournir les biens à l'armée. On a la conscription qui est active et tout, donc je pense que ça explique pourquoi je suis tant dans le négatif, mais c'est pas grave. On a beaucoup de réserves d'or. Je pense que je vais accélérer un tout petit peu, même carrément à fond. La victoire n'est pas loin. Quand ils sont à moins 100, ils ont perdu. Au bout d'un moment, ça va être la débandade complète. Alors, si vous voulez voir l'évolution des soutiens de guerre, ben voilà, vous avez les facteurs qui sont expliqués ici. Tous les 7 jours, toutes les semaines, ils vont perdre 12 à cause du déclin de base. Ça, c'est naturel. L'occupation de leur terrain. Les pertes humaines perdues, subies. Les radicaux chez eux. Les radicaux, c'est vraiment des pestes. Hein. Où qu'ils soient, ils causent des problèmes.
À nous la Gueldre, j'ai envie de dire. Plus l'humiliation des Pays-Bas. Petite cerise sur le gâteau. Discorde au sein des ruraux. Une faction influente au sein des ruraux se montre de plus en plus frustrée par la neutralité des autres membres à propos de la loi séparation totale. Ah ouais, elle est toujours pas passée celle-là. Étant eux-mêmes en faveur de la loi, ils ont décidé de former une faction politique distincte avec la ferme intention de la faire passer. Comment pouvez-vous rester les bras croisés et regarder le monde défiler sous vos yeux? N'avez-vous aucun sens de l'honneur, du devoir envers votre prochain? Je condamne un tel manque d'ambition, et j'affirme haut et fort ne pas être le seul dans ce cas. Avec leur soutien, le projet de loi sera accepté. Alors, attirer plus de gens vers les ruraux, bon, pourquoi... Ah non, c'est moins, hein, moins 5%. Ou alors, les élites intellectuelles tendent la main à ces dissidents. Encore moins d'attraction pour les ruraux. Après, je veux pas rester spécialement rural, donc pourquoi pas. Et on gagne encore sur l'élite intellectuelle. Je prends. Je prends. Voilà, on va arriver tout doucement à la fin de la guerre. Donc c'est pas mal de commencer une guerre avec des bons stocks d'or. Hein. C'est logique. Capitulation. On a gagné la Gueldre et on a humilié les Pays-Bas. Bon, ça on voulait pas vraiment, on est gentils, nous. Hein. Donc logiquement, ça devrait se faire. Je veux l'accepter ou quoi? Pourquoi ça se met pas automatiquement? Ils vont se démobiliser automatiquement ou quoi? Pourquoi ça se bat encore? Ah mais attendez, il y a une guerre encore en cours du coup là. Je suis encore en guerre contre eux là. Ah, on est encore en guerre contre la Prusse. Ah non, c'est toujours Belgique vs Pays-Bas. Ah mais la Prusse a pris le relais comme leader. Ah, d'accord, mais j'ai rien demandé moi. Apparemment, eux, ils n'ont pas capitulé. Ok. Après, c'est une guerre pour rien, donc on peut peut-être faire la paix, non? La France, t'en aurais voulu si t'avais pas accepté d'humilier les Pays-Bas. Oui, bien sûr. Après, là, je pense qu'on avait plus le choix. Une fois qu'on s'est engagé, on s'est engagé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas la paix? Ah, la France n'accepte pas. Mais alors la France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà ce que vous vouliez. Non, vous voulez tuer des Prusses, des Prussiens. Ça alors. Je sais pas si c'est un bug, mais... Parce qu'à moins 1,67, on n'est pas là d'avoir la paix, en fait. Hein. Misère de misère. Peut-être je pourrais capituler, mais... Qu'est-ce qu'ils font la France là? Pourquoi ils font ça? C'est pas la Prusse, c'est la France qui est le problème là. C'est pas ça, je suis bien content qu'il m'ait aidé, mais... Je dois cliquer là ou quoi? Non, je crois que c'est bon. Moi, vous savez quoi? Je vais démobiliser. Hein. Ils vont de toute façon écraser la Prusse, donc au bout d'un moment, je suis pas responsable de ce bain de sang. Hein. Je vous avais dit, hein, quand vous commencez à ouvrir la boîte de Pandore, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, je peux pas me sentir responsable de tous ces morts. Est-ce que je peux démobiliser? C'est possible que comme on est en guerre, on puisse pas démobiliser. Hein. Je pense que c'est le cas. Donc on va continuer à avoir des morts. C'est horrible. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas vraiment ce que je voulais obtenir comme résultat. Psychiatrie disponible. Alors on avait débloqué... On va quand même s'en occuper. On avait débloqué... Les mines, la nitroglycérine. Ceci va... produire énormément plus, mais va causer encore de la mortalité. En ces temps d'après-guerre, je sais pas si c'est vraiment bien de causer encore 30% de mortalité en plus des ouvriers. Mais je crois que la production prime sur le reste. On passe tout en nitroglycérine. On fait tout péter.
Ouais, il faut que ça cesse, là, cette guerre, là. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Mais non, c'est pas les Prussiens, là, c'est les Français. Les Prussiens, ils ont plus 1000 pour arrêter la guerre. Ils veulent arrêter. La Belgique a gagné, c'est bon, quoi. Ils sont trop forts, la Belgique. Donc nous, on arrête la guerre. Les Français sont dans une folie meurtrière, là. Moi, je suis obligé de suivre parce que je... Maintenant, on pourrait ramener nos hommes. Hein. Franchement, attendez, on va faire ça. Comment est-ce qu'on fait pour les rappeler? Je peux pas. Mettre à la retraite, non, c'est pas ça que je veux. Ah, être en état d'alerte, voilà. Hop, là, il va revenir. Non, mais bon, parce que bon... on a déjà eu suffisamment de morts dans cette guerre, je pense. Je pense que l'autre, il est déjà rentré. Hein. Où est-il? Ouais, il est rentré en état d'alerte au QG Congo, très bien. Alors, est-ce qu'on peut démobiliser une fois qu'on est rentré, peut-être? Ça, je pense que comme c'est la guerre, on pourra pas. Bon. Produits pharmaceutiques, très bien. Alors, on peut investir dans l'institution système de santé. Ce qui c'est qu'on perd beaucoup d'argent en ce moment, donc je vais un petit peu attendre avant de développer mes institutions. Ce sont des belligérants, c'est de la guerre, c'est horrible, mais c'est comme ça. Tu as gagné la guerre grâce aux Français, donc il faut leur accorder leur terme. On va leur accorder leur terme. Il n'y a plus de terme, en fait. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils cherchent, là. Roue hydraulique. Alors, il faut qu'on relance une recherche. Je vous propose d'aller au bout du truc et de prendre la quinine pour pouvoir vraiment développer les colonies. Purée, on a 1 million de radicaux maintenant. C'est quoi, c'est à cause de la guerre? C'est pas possible, c'est 1/5 de la population. On est très mal, hein. C'est bon, on a gagné, la Prusse va devoir s'incliner, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que Victoria 3 est compatible avec Universalis 4? Qu'est-ce que tu veux dire compatible? Je ne comprends pas. Clique sur objectif de guerre, attends. Objectif de guerre non appuyé, humilier les Pays-Bas? Oh non! Bah. Bon, ça non appuyé. Oh zut! Ils acceptent. Ouais, mais ils acceptent pas. Je pense qu'en fait, ils acceptaient pas. Il s'est mis en dessous parce qu'il n'aurait pas accepté avec, en fait, c'est pour ça. Vous voyez? Donc je peux pas proposer cet accord de paix parce que c'est pas bon. Ah mais on peut faire une paix blanche maintenant. Mais alors, comme on a déjà pris... Écoutez, on va faire le test. Je pense que je peux faire une paix blanche maintenant. Ah mais non, ils veulent pas non plus. La France n'accepte pas cette fois-ci. Oh, ils sont pénibles. Ils perdent combien maintenant? Ils perdent 2,50 par semaine. C'est pas énorme, hein. Mais bon. Ce sera à refaire, j'aurai attaqué un peu plus tard et j'aurai préparé mon armée correctement. Mais bon, on verra. Eh bien voilà, je pense qu'on va arrêter pour ce premier live. C'est déjà pas mal, quasiment 3 heures. Ça vous a fait un petit aperçu du jeu. Après c'est un début de l'SP donc je vais continuer. Je ne sais pas si je vais, pour l'épisode 2, peut-être reprendre avant la déclaration de guerre. Pour partir vraiment sur de bonnes bases. On a vu ce que ça faisait. Et je pense qu'un petit peu de préparation supplémentaire pourrait être pas mal. Bon, je vais réfléchir, mais peut-être que je ferai ça. On n'aura pas perdu grand-chose. J'espère que le live vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ce sera a priori demain, quoi qu'il en soit. Peut-être demain un autre live durant la journée. Et en tout cas une vidéo le soir.
à 18h sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes super nombreux. Bah, je m'y attendais un petit peu vu que le jeu est quand même fort attendu. J'espère que je vous ai bien présenté ça. J'espère que ma voix de robot n'est pas restée depuis 10 minutes. Vous ne me le disiez pas. Je pense que ça devrait être bon. Merci Jeune Zélie, merci Darktoon, merci pour le soutien. On va tout doucement se quitter. Oui, on a la Geldre, mais pas encore, parce que la guerre risque encore de s'éterniser un petit peu, mais je pense quand même que c'est quasiment terminé. Cela dit, je pense que je commencerai l'épisode 2 avant la guerre. Je vous ai dit que ce serait plutôt un test. Bonne soirée tout le monde!